Voilà, Justin! Joyeux Noël, ouais! Ouais, les cadeaux et tout! J'arrive! Merde, j'étais mute. Je disais, ce qui est magnifique avec League of Legends, c'est que même le jour de Noël, t'es là, mec, ambiance des fêtes, rien à foutre, t'es là pour perdre DLP avant toi. Après, peut-être que le Père Noël, il va me ramener quelques petites victoires, on sait pas. Et je me suis fait un petit McDo avec ma soeur là. Ma bro. Oh là là. Le triple cheese bacon là. Il m'a satellisé. Hein. C'était exceptionnel. On était en famille, dans la famille de mon beau-père. Ma soeur, elle rentrait de chez mon daron, elle était fatiguée. Elle était en mode, viens, juste on rentre. Et on tape genre un gros McDo. Et après, on rentre chez nous. J'étais en mode, évidemment qu'on va faire ça, oui. Bien sûr, on fait ça maintenant. Du coup, au final, on n'est pas resté de ouf longtemps au repas de famille. Après, le vrai repas de famille, c'était le 24 au soir, tu vois. Du coup, c'était fine. Mais, waouh, c'était exceptionnel. Par contre, énorme respect aux gens qui travaillent à McDo le 25. Hein. Nous aussi, on a fait un giga McDo ce soir. Let's go! Let's go, bro. Mais énorme respect à eux. Hein. Déjà, moi, j'ai dû travailler le 24. J'ai fini à 19h le 24. Ça m'a un peu cassé les couilles. Donc, j'imagine pas travailler le 25 aussi. Énorme respect sur eux. Surtout qu'ils ferment tard. Hein. Ils fermaient. Je sais pas à quelle heure ils fermaient. Je m'en souviens plus. À midi, je me suis donné pour cuisiner un truc. Ça, c'était clairement la. Bah, tu fais bien, bro. Profite, hein. Ma mère, à chaque fois à Noël, elle se met une pression de psychopathe pour faire des repas de ouf. Mais vu que cette année, on faisait pas dans notre famille, elle était en détente. Du coup, c'était sympa, elle a pu profiter un peu plus. Sinon, gros, laisse tomber. À partir du 22, on commence à faire de la cuisine, c'est quoi ça? Tout ça pour manger à genre 6, en avoir 800 fois trop. Et continuer de manger les restes du repas de Noël pendant 2 semaines, genre. Par contre, j'ai une Yumi sur un Twitch, j'ai gagné la game. Ça va être aussi simple que ça. La connaissance par la Faut que je fasse gaffe à mes MP sur Discord, parce que je crois qu'il y avait Mansion qui voulait duo après. Du coup, faut que je fasse attention. Y a des restes pour tout l'univers à chaque Noël. Bro, je te jure que dans ma famille, ils ont le truc de on doit laisser une place vide, tu sais. C'est une espèce de tradition bizarre où, en gros, tu laisses une place supplémentaire. Pour genre, je sais pas, s'il y a un random mendiant qui vient manger à la table et tout. Au final, personne n'invite jamais quelqu'un, tu vois. Mais c'est juste histoire d'eux. Là, gros, on peut laisser 800 places. Hein. Parce que, putain, je peux te dire que. Je sais pas, c'était pas une dinde, c'était, je sais plus comment il s'appelle. Peut-être un chapon, je crois. Je sais plus quel genre de volaille on a mangé, gros, mais je te jure que. J'arrive pas à concevoir le fait que ce soit un seul animal. Hein. Parce que. Je comprends pas comment on peut manger, genre, à 12 sur un poulet et qu'il y en a encore. Hein. C'est. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas que des gens le faisaient pour de vrai. Ouais, moi je sais pas, dans ma famille, il y a toujours eu la place. Mais. On n'a jamais invité personne pour manger, quoi. Du coup, c'est un peu. Un peu ridicule, mais c'est pas grave. Mais je sais que mon grand-père, c'est un psychopathe. Genre, il y a des trucs, je ne comprends pas. Genre, si on mange à 13, il veut qu'on mette 14 couverts parce que, genre, manger à 13, ça porte malheur. Du coup, mais il faut mettre une 14e assiette. Et des couverts et tout, et un verre. Parce que sinon, bro, ça attire le chétan. Attention, hein. Oh putain, Justin. Pour le nouvel an, j'ai rassemblé un cocktail de petits cadeaux de Noël pour tout le monde là. Mamacita. Le premier que j'ai
Bro, ça va améliorer ton quotidien, mais t'imagines pas à quel point, genre. En fait, tu vas passer ta vie avec l'OST de Cyberpunk tellement tu vas être dans le futur quand t'auras reçu les cadeaux que je t'ai fait, bro. Sinon, le démon de gestion va venir te casser le cul. Bro, je suis rentré de McDo, j'ai premier degré poucher mes chiottes, hein. Je suis désolé, mais c'est réel, hein. On a passé 2 jours à faire que manger, gros. Ça s'est pas bien passé au niveau de mes toilettes, hein. Mais c'est pas grave. Je t'épargne les détails, bro, mais c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pète un plomb, ce chat. J'ai trop hâte d'avoir les thunes de ma tante et de ma grand-mère et d'aller acheter le piano, là. Pourquoi il n'y a que du rap russe ce soir? C'est quoi ce merdier? Échanger, je sais que t'aimes pas ça. Tout. Je check juste. Parce qu'en fait, si je les ai, lundi, j'y vais, quoi. Ça va être aussi rapide que ça. C'est toi avec les thunes de Pôle emploi, là. Quand je fais les cadeaux de Noël, mon unique objectif, c'est de faire rire en vous les donnant. Putain. Justin, je dis rien parce qu'on sait jamais si Franfran passe sur le stream. Le cadeau de Franfran. Quand j'ai trouvé l'idée, bro, j'étais en mode de... Comment je fais pour avoir un aussi gros cerveau? Ça m'a fait trop rire. Faut que je t'envoie un screen ou alors je garde la surprise. Et t'auras la surprise toi aussi comme ça. Mais c'était trop marrant. Focus on improve. Ouais, effectivement, monsieur. Mais c'est trop marrant les cadeaux qui sont rigolos, je suis d'accord. Quand t'arrives à faire un truc vraiment visé sur quelqu'un, c'est exceptionnel. Moi, ce que j'ai trouvé sur Franfran, Franfran, il a vraiment. Le cadeau est horrible. En vrai, c'est à la fois le pire cadeau et le meilleur cadeau en même temps. Ce que j'ai pris à Franfran est dans la continuité de son referral code. Ok, je vois. Je crois que Yoann, il a pris un truc giga troll aussi. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc qui va être probablement très cringe. C'est que Yoann, je crois qu'il a fait des cadeaux à tout le monde. Moi aussi. Et toi, t'as l'air d'en avoir fait aussi. Mais du coup, personne n'a fait de cadeau pour Clément et Théo, genre. Ça va être turbo cringe. On va être là, on va tous offrir nos cadeaux et ils vont être en mode. Ah ouais. Les cadeaux et tout là. Tu leur as pris des trucs de merde aussi. Mais moi, en fait, je les connais pas. Du coup, je savais pas quoi prendre, eux. J'ai pas eu d'idée du tout. Du coup, j'ai rien pris. Il manque juste Brice, mais j'ai aucune idée. Ouais, je sais pas. Je sais que Gab, il me semble pas qu'il ait pris de cadeau. Il a juste pris pour Yoann. Il m'a dit, ouais, vu que Yoann, c'est lui qui s'est débrouillé pour trouver le logement, je lui ai pris un cadeau pour son Noël. Putain, Syndra, c'est cool. Moi, je voulais juste le clip en fait à la base. Enfin, frérot, ça devient gênant là. Le pot qu'elle me met dans le cul. Avec ses boules de Noël là. J'arrive pas à avoir le déclic. Ouais, je comprends. Je sais pas ce que tu peux lui trouver. Après, l'avantage quand c'est des gamers, c'est que c'est facile, tu vois. Enfin, il y a plein d'idées de cadeaux à la con qui marchent. Elle veut quoi cette folle là? Non mais gros, mais c'est pas... les traits qu'il y a même, c'est pas possible. C'est un truc de barjo son personnage. C'est quoi cette merde? Je respecte pas aussi. Si elle met un stun, elle me tue là, je pense. Quoique j'ai régénéré assez d'HP. Non mais tu auras pas. Oh les creeps! Les creeps me tuent. J'ai pas vu les creeps, my bad. Elle m'a pulvérisé, genre. Depuis le début de la game, elle me pulvérise le cul. J'ai pas envie de pleurer. En plus, je perds ma barrière là-dessus. Elle a plus d'ignite et elle a plus de flash. On doit la tuer. De lane contre Syndra. Mais après, je suis un fils de pute, d'habitude, je me fais pas autant poke là. Genre, je suis trop con, je respecte pas sa range. Je sais pas ce que j'ai branlé. D'habitude, ça se passe jamais comme ça, mes lanes contre Syndra. Parce que j'ai déjà fait pas mal de fois le match-up. Après, toi, si tu joues Kha'Zix, c'est sûr que c'est pas drôle, mais. Normalement, elle est pas censée me poke autant. Genre, j'ai largement la range.
Faut y arrêter, ça commence à avoir une petite gueule. J'ai trop hâte, bro. Genre en ce moment j'attends aucun jeu. Du coup il y a aucun jeu que j'attends plus que Fire Red. Genre c'est vraiment le jeu qui me hype le plus, gros. Mon farm. J'ai pas de CD sur aucun spell. Je vais mourir d'un gank. J'ai pas touché. J'ai pas touché mon E avant de flash. Je vais péter un plomb. Je suis en train de me faire farm le cul. Dommage, si je touche mon E avant de flash, le Kha'Zix me tue. Enfin, je meurs pas. Elle avait pas les dégâts. S'il me retapait pas, le Kha'Zix, c'est un peu sad. Je suis content de ouf. Tu m'étonnes, bro. J'ai trop hâte d'y jouer là. Je suis trop hype. Ma mort, elle est ridicule. Ok, c'est pas grave. On va dire que c'est la première game depuis quelques jours où j'ai pas joué et que du coup, j'ai autorisé. Ah ouais, ça c'est pas autorisé par contre ce farming. Est-ce qu'il a déjà 2 kills? Je suis dans une sauce de ouf. Là il met des dégâts illégaux je pense. Si elle touche le moindre truc. Oh la Riz, comment ça va bro? Et du coup vous avez quoi pour vos Noël les bros? Vous m'avez pas dit. Enfin toi Justin je sais vraiment rien. Riz non plus. Balancez un peu là. Pendant que Syndra me casse le cul. Putain mais tout le monde gagne. Ça fait plaisir. Oh là Yue! Comment ça va mec? Ah ouais. Ah bah ça va, ça... C'était pas trop loin en vrai. Je suis pas trop en capacité de contest en vrai. Je pense que si je vais, je meurs. Hein. Ah, j'ai touché quelqu'un d'autre. Moi, je lui fais perdre une wave quasiment. Ouais. Elle a eu un creep, je crois, sur la wave, grand max. C'est le mieux que je puisse faire sur le move. Le Noël stream. Let's go, mec, on est là. On est des vrais joueurs de League of Legends, nous. Vas-y, faudrait que j'arrive à mieux jouer la game, par contre, parce que ça peut être la catastrophe. Et j'ai une tasse en laiton. De ma... What the fuck, c'est trop stylé. Genre une shop, ça me régale. Mais c'est trop stylé, mec! En vrai, les cadeaux utiles comme ça, c'est... Je trouve qu'on sous-estime trop, mais c'est trop bien. T'es là en mode, ouais, une tasse, c'est éclaté et tout. Gros, tu m'offres une tasse, je suis le plus heureux des hommes. En plus, la personne, tous les matins, soit, bah toi, c'est une shop, donc du coup, genre, à chaque fois que tu bois ta petite pinte, là, tu penses à ta soeur et tout, c'est trop cool. Moi, je trouve ça grave lourd. Ok, nice. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu un pot de fleurs écrit. J'aime le gaming. Oh merde. J'ai la ref. J'ai la ref, c'est exceptionnel. Je sais pas où est la Syndra. Et j'ai eu de l'argent qui va principalement permettre de renflouer l'investissement en cadeau, lol. Et on a un set de service avec du chocolat. Et avec du coco de la part des Apple. Oh, trop stylé. Mais ça c'est pareil, genre... Sur le papier, c'est pas un truc de barjo. Mais en vrai, c'est trop bien, genre. Parce que ça sert vraiment à quelque chose. Moi je dis ça, mais j'ai vraiment des cadeaux... Qui pour la plupart sont vraiment useless de ouf. Mais ils sont plus marrants qu'autre chose. J'ai trop hâte de vous les donner les bros, genre j'attends vraiment que ça. Je pense que je vais prendre ça. On y retourne. Bon, en vrai c'est pas la cata la game encore. Moi je me suis fait tuer 2 fois comme de la merde mais... Le cadeau de Yuan t'es clairement pas prêt. Sérieux? Moi Yuan j'ai peur qu'il soit sur le stream. Mais le cadeau que je lui ai fait il est extrêmement utile. Du coup je dis rien parce qu'on sait jamais s'il passe tu vois. Suite franc, c'est vraiment... Je n'ai jamais autant troll quelqu'un, je pense, de ma vie, sur un cadeau. Mais Yohan, je lui ai pris un truc plutôt sérieux.
Merde, j'ai vraiment fait ça là. Oh attendez. Elle passe pas par là. Elle passe par là. Au moment où je mets mon Q. J'aurais pu la one shot. Ou en tout cas forcer un sum. Sur ma flash ou un truc. En fait je pensais que j'ai mal calculé le temps de trajet. Et je suis en mode bah elle a dû faire le tour. Parce que là avec mon Q je pense que... Elle claque au moins son flash. Là sur ce move. Et après on la tue. Peut-être avec le Rengar. Je t'envoie un skin sur Discord. Let's go, bro. Moi, je peux pas la match, la Syndra. Quoique, en vrai, elle a juste... Elle a les bots, c'est tout. Je sais pas où elle est. Après, elle peut pas les bots. En plus, ça se voit, leurs parents, ils pensaient que c'était une idée de ouf. Mais je sais pas, bro, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Ça a fait tellement de bons mèmes sur Internet qu'on les remercie, mais... Une plante avec écrit j'adore le catch, parce que mon fils il aime le catch. Bah non en fait. Je préfère me faire scorpionnette genre. Au moins je peux me parfumer quoi. Un ennemi a été tué. Mon biscuit il se pose pas dans le buisson. Je comprends pas bro. J'ai essayé de mettre la pink ward dans le buisson et ça... Je peux mettre de l'AP sur la ward là? Pour qu'elle fasse des dégâts un peu? Non? Putain ça casse les couilles. Mal foutu ce jeu. Allez bot, on va push ça fast. Je vais gagner de la Leonu farm, hein, j'en ai rien à foutre. Petit à petit, hein, je gratte. Ouais, bonne fête à toi, The Klaus. Merci beaucoup. J'espère que t'as passé des bonnes fêtes, que t'as pu profiter de ta famille et tout. Et que t'étais pas seul et covidé. Ça me rendrait triste pour toi. Je lui ai pris deux trucs à Yuan, mais c'est clairement deux trucs où quand il va les voir, il va pleurer et rire en même temps. Moi, j'ai fait ça... Toi, t'as un... le cadeau que je t'ai fait, il est comme ça aussi. Franfran aussi. Gab, il a un truc plus sérieux et Yohan aussi. Toi, bro, j'ai trop hâte, hein, Justin. Genre, c'est... Enfin, je dis rien, mais c'est vraiment exceptionnel. Kha'Zix, je le démonte, je pense. J'ai deux niveaux d'avance, mais je peux pas... le go devant la Syndra, genre. Ok, y'a un move à faire là. Ok, pas comme ça. En plus j'ai la bonne musique là. Ok. Donc je crois que le move ça va être de farm ce tour hein. C'est pas grave les gars, c'est mieux que rien. Je l'ai eu. L'appareil à raclette. Oh la dinguerie. Ça dans le genre cadeau utile, exceptionnel bro. L'appareil à raclette c'est vraiment le futur hein. C'est trop bien, mec. En fait, quand t'offres un appareil raclette à quelqu'un, tu lui offres juste genre des bons moments de vie en perspective. Hein. C'est le futur. Elle peut m'attendre par là, vu que j'ai un world. Je sais pas où elle est. Bon, ils ont l'air d'avoir respecté son move. J'ai peur d'enlever sa ping, en fait. Parce qu'en fait, avec son air, elle me one-shot, je pense. Mais elle a pas la tête, là. Je vais perdre la plate. Non, elle tombe pas maintenant. Nice. Excusez-moi, je vous lis petit à petit. Hein. C'est d'être une giga expérience. T'as vu les gens sur Twitter, je peux pas y croire, genre... Qui ont plusieurs coffrets Scorpion dans le même Noël. Je peux pas y croire, genre. C'est impossible. Déjà, se faire Scorpionnet, c'est chiant. Mais pas de multiples fois, genre. Arrêtez, ne nous mentez pas. Vous êtes allé à Carrefour, vous avez dépensé 70 balles pour acheter vous-même vos coffrets, genre. C'est pas possible. Lui. Moi je back, hein. J'ai cherché mon Luden. Merci Matt, ouais j'étais Covid-2, mais ça finit il y a 5 jours. Oh putain mec, c'était du clutch gaming là. Un peu comme Yohan. Yohan qui finit sa période de merde, comment dit, de quarantaine. Genre un jour avant le nouvel an. Il finit littéralement sa quarantaine le 30. Après c'est pas une quarantaine vu que c'est pas 40 jours mais on s'en bat les couilles, vous avez compris. Et du coup on peut tous faire le nouvel an quand même. Il y a vraiment pixel là-dessus. En vrai j'aurais pété un plomb sinon. Il m'a tellement suivi.
Mon civil, le problème, c'est qu'elle a son spell shield. Du coup, c'est compliqué de la poke. Je finis ma soirée avec la famille de Noël pour stream à toi. Ho ho ho. Le triple haut cringe. Mais non, c'est le Père Noël, bro. Rien de cringe dans le Père Noël. Profite bien de ta famille, en tout cas, Yui. C'était gentil d'être passé, bro. Ça fait grave plaisir. Pourquoi j'ai la Syndra là? Pourquoi j'ai la Sivir, pardon? Elle est où la Syndra? Reviens! On s'ennuyait ensemble, c'était cool. Merde. Comment je suis en train de rien faire cette game, ça me termine. Bah cours frérot, c'est tout. Ok. Ah ouais! Sympa la range de ça, dis donc. Pixel perfect. Ouais, de ouf. En même temps, c'est trop triste, hein. Tu te fais priver de Noël. Envie de chialer, hein. A peu près autant pixel que Yohan. Mais elle me casse les couilles! Bon. Elle va me péter les couilles comme ça longtemps là? Elle va prendre des coups de tour et tout là? C'est quoi son problème? Après, il y a un air de Zillian donc je pourrais jamais la tuer mais. Oh, Mamacita! Attends, il y a un monde. Il n'y a pas eu de monde. Alors. Pourquoi? D'accord, hein, mais pourquoi? Gobot, no. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Pourquoi il est venu au mid comme si c'était chez lui là? C'est quoi son problème? Why? J'aurais pété mon crâne si on pouvait pas nouvel an. Ça m'aurait complètement ruiné mentalement, bro, je vais pas te mentir. Genre le fait que Franfran vienne du Canada et qu'on puisse pas se voir, c'est. Ça aurait été déjà très compliqué. Mais ça fait un mois et demi qu'on en parle. Si ça annule au dernier moment, je pète un plomb. Ah ouais, il voulait que je lui laisse le mid pour qu'il aille mourir au mid. Stylé en vrai. Thank you for asking. Enfin, frérot. Tu l'as une passe contre Syndra, mais Syndra elle était pas au mid et t'es mort quand même. Je sais pas ce qu'il a. Il a l'air sympa en vrai le Twitch, c'est cool. Why should I lean against her, you feed her. Ah ouais. C'est mon gros creep, hein, tu vas te faire foutre. Ok. Je sais pas ce qu'on fait, mais apparemment on fait rien. Tout dépend de ce que tu vas voir, tu seras désinfecté. T'inquiète pas quand je serai désinfecté dans tous les cas. Hein. Ça, je me fais pas de soucis. Hein. Bon, apparemment, je dois partager toute l'XP et le farm avec le Twitch à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi il flash out, genre on la tue en fait. J'ai touché un truc, mais c'est sûrement les creeps. Ouais. La musique est insane, ouais. Je l'aime trop. C'est quoi ce? Ah, c'est Zillian. Je comprenais pas sa move speed. Toujours pas, hein. C'est mes creeps en fait. Le problème c'est qu'on pourra jamais tuer Syndra à cause du Zillian. Ils peuvent arriver par là, non plus maintenant. Ce nouvel album c'est une tuerie, je suis complètement d'accord. De toute façon tous les albums c'est des tueries dans tous les cas. Il y en a juste certains qui... où il y a des sons qui ont un peu plus mal vieilli que d'autres mais...
Nice. Well played. Twitch, ça a l'air d'être vraiment un gros connard, genre. Mais c'est pas grave, on va gagner la game quand même. Il est si désagréable pour rien, genre. Surtout qu'il me casse les couilles pour avoir fait de la Syndra à qui j'ai donné 2 kills, dont un sur un gank. Enfin bref. On va vendre ça. Let's go. Après, dans tous les cas, c'est Twitch avec Yumi dessus, genre. On sait que à la fin, il va juste pop one shot quelqu'un et ne jamais mourir grâce à Yumi. Oh. J'avais pas mon R dans tous les cas. Je l'ai fait flash. Il était mort en vrai. Je sais pas pourquoi il a couru alors qu'il avait 2 passifs sur lui. C'était pas très malin. Oh, il a réussi à avoir le creep. La vitesse de la Syndra, on en parle ou pas? C'est un camion le truc. C'est quoi cette merde? Elle est véhiculée genre. J'ai touché un truc. Ok, tout le monde s'en sort. Je sais pas trop quoi faire. J'ai pas mon R sur ce move. Il y a toujours 2-3 sons qui sont pas ouf parce qu'il a quand même un style particulier, genre bébé bois et casseur fauteur infini sans vous. Vraiment pas. Ah ouais, tu t'aimes pas? Moi je kiffe les sons. Bébé bois, j'aime bien le délire, genre je trouve ça trop marrant. L'ambiance du son est trop cool, je trouve. Mais ouais, c'est une prise de risque en vrai, donc ça plaît pas à tout le monde, c'est normal. Ok, bien de go in en 1v5. Plutôt stylé en vrai. Misclick. Ok. La MS de ce champ, genre. Ah ouais. Syndra a tellement la couru vite, elle a pas réussi à esquiver mon ulti, genre. Elle arrivait pas à gérer sa vitesse. Est-ce qu'on en parle? Mais oui, je comprends. En vrai, bébé bois, c'est grave normal que y ait plein de gens qui aiment pas. Hein. Le son, genre, c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes, mais il n'y a pas de d'entre deux, j'ai l'impression, genre. Il est vraiment spécial. Après, Castle Flutter Infinity, il me fait grave plaisir. Hein. Pour le coup, il est plus passe-partout que Bébé Bois, genre, c'est moins une prise de risque. Ça ressemble plus à ce qu'il faisait avant et tout. Après, c'est un peu un son fanservice, en vrai. Je pense, j'ai dit 2 fois en vrai dans la même phrase, mais vous avez compris. Mais je trouve qu'il fonctionne, il est rigolo. Je sais pas. En tout cas, quand ça arrive dans ma playlist, je suis content. Salut Romain! Oh, salut Shrek! Joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, les gars. Watch it burn. C'est dans mon cœur. Ouais, j'ai kiffé de ouf. J'ai trop aimé le son. C'est invivable. Zilean, c'est trop chiant. Et pourquoi elle court aussi vite, genre? Ça peut pas être que à cause de Zilean, il y a un autre truc. For the friends, for the friends, for the friends. Mais non, elle a rien d'autre à part Luden. Mais lui, c'est un malade, hein. Il a un souci mental, hein. Ça fait 2 fois qu'il saute et qu'il se suicide. Le Twitch me casse les couilles. Ça fait
24 minutes de game, ça fait 15 minutes qu'il est au mid. Genre, c'est insupportable. Casseur flotteur, j'en aime vraiment que 3, c'est pas mon tel. Ah, mais c'est pour ça aussi. My bad, j'aurais pas dû claquer mon CD là-dessus. Oh, il a dit un truc gentil. Le Twitch dans le chat, c'est un truc de ouf. La MS de Zilean, toutes les deux secondes, c'est en train de me faire péter un plomb, genre. Je ne peux mettre de spell sur personne, ils courent tous trop vite. Quel enfer. Joyeux Noël, bah, bah oui, bien sûr. Joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vos cadeaux sont bien et tout. Que vous avez bien profité. J'ai pas pu jouer à LoL, tu t'es fait ban? Oh là, Johan! Joyeux Noël, bro! On s'est payé en vocal aujourd'hui. Ah, le néon, ces ténèbres me manquent. Dommage, j'avais le timing, mais il la dodge. Le proc de mon passif avec la MS du Zilean. Et il a claqué son R en plus. Puis deux R de Zilean. Ça me casse les couilles de pas pouvoir farm depuis 14 minutes par contre. Ça commence vraiment à me faire chier. Le Twitch a décidé qu'il irait jamais bot. Je peux pas aller top seul. J'ai des écrans noirs à toutes mes games, je peux pas me connecter. J'ai même eu un liver. What the fuck? Il y a eu un patch ou un truc comme ça, le jeu, il y a une mise à jour ou. C'est juste ton PC qui pète un plomb? On est en 14-10, ils sont en mode. Oh là là, on a perdu la game. Enfin, on va te faire foutre, mec, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est Noël et tout. Pense à la magie de Noël. Je suis dispo pour game pour le suivant s'il y a de la place. Bah je crois qu'il y a Manchan qui voulait jouer aussi, mais on pourra faire de la flex. L'outil de Yumi est vraiment claqué au sol. Mais c'est pas grave, il s'en sort, c'est le principal. Mais ouais, go, on joue après, bro. J'ai bientôt l'alternateur là. Ça met bien. T'as eu quoi comme cadeau, bro? Dis-nous tout. Je réinstalle le jeu, rien à faire. Et t'as regardé sur internet s'il y a d'autres gens qui ont le même bug que toi ou pas? Il vient de flash in là? C'est un barjo lui hein. Ah ouais. Ah stylé. Nice, il a tué. Le problème c'est que... Hein. Dès qu'on s'approche de quelqu'un, il prend 800 de MS. Il sait faire. Il sait faire par le Zilean. Oh, merci. Allez, les gars. On a Yumi, genre, on ne peut pas perdre. Ah, dommage. J'arrive pas à mettre de bon Q. Oh, let's go. Ça, c'est un bon Q. On sait qu'il a pas de R. Oh, Rengo. On casse la tour. Frérot, la vitesse qu'elle a, genre... Zilean, c'est un truc de ouf ce champ en vrai. Je sais pas pourquoi personne le joue. C'est grave étrange. Ma carte graphique est good à jour. C'est que sur LoL que j'ai ça. Mais tu sais, il y a des bugs trop bizarres. Hein. Genre, moi, avec le patch d'avant, dans la chambre select, enfin, dans le chargement de la game, ça clignotait. Genre, l'écran il scintillait. La luminosité elle changeait. En clignotant. Mais juste dans le chargement. Après, ça s'arrêtait une fois que j'étais in-game.
Il y aura hier un mois sur la fin, ils ne seront plus que 3. De ouf. C'est que personne joue ça. Bon, lui, il a son R. Bah oui, c'est lui le Drake. Ah, ça, c'était close. Honnêtement, je sais pas si on gagne ça. Ah. Je crois que ma story avant qu'il soit mort, parce que je savais qu'il était mort. Ça m'a mis très bien. Je l'ai réveillé là, avec sa petite démarche de scarabée là. Elle va trop vite, gros! Comment je pré-shot un mec qui va aussi vite? Quelle dinguerie! C'est un truc de fou. Gros! C'est un truc de barjo! Je dois faire quoi? Et encore, elle joue pas Phase Rush, imagine. Les deux ensemble. Du coup, je sais pas quoi faire. Bah, j'en ai aucune idée, mec. Hein. Au pire, tu contactes Riot. Hein. Peut-être qu'ils pourront t'aider, MDR. Imagine dans un monde parfait. Après, c'est Noël. Hein. Peut-être Riot, le jour de Noël, il trouve des solutions pour de vrai. Hein. On sait pas. Hein. Tu crois au Père Noël? Exactement. Il faut croire à la magie de Noël. Ok. Je vais les rejoindre. Je sais pas ce qui branle. Je vais pas back, mais. Oh! Il joue couronne. Ah, mais il joue AP! Ils sont même pas au courant de ce qui se passe chez eux, donc bon, j'y crois pas. Tu fais bien de pas y croire. Moi, je pensais juste qu'il servirait de bait, mais. Oh, ok, my bad. Je m'attendais pas à me faire trapper dans ce bush. En vrai, c'était évident. J'aurais dû m'en douter. Oh! Le R de Yumi était cool. J'ai testé Samira Cartus, etc. et ça me fait planter que quand je joue Yvern. Mais c'est pas possible. Mais si c'est vrai ce que tu dis, il doit y avoir d'autres gens hein, sur internet qui ont le même bug. Si c'est un bug sur un champion spécifique, c'est grave bizarre. Avec la motif des golems. Ouais, bah ouais. Parce que c'est les seuls changements qu'il y a eu depuis. Je sais pas, c'est super bizarre. Parce que depuis qu'il y a eu la motif, moi j'ai joué avec des vernes et ils jouaient, genre ils avaient pas de déco ou quoi. Donc c'est étrange, tu vois. Je crois pas que la game soit lose, hein, honnêtement. Je pense même qu'on la win. Hein. En vrai. Même si je me fais one tap de manière un peu cringe au baron, en allant face check un bush qui est pas ward comme un gros trimar alors qu'on joue contre Kha'Zix. Je suis pas sûr que ce soit perdu en vrai. Pourquoi c'est tout mal rangé en ce moment les persos dans le tab? J'ai ça depuis quelques jours. Ouais, depuis quelques jours, il y a pas eu de patch. Hein. Donc c'est trop bizarre. Après bon, on parle de quelques jours, mais ça fait genre 3 ans que le launcher il marche pas, donc... En fait c'est trop fort le fait qu'il puisse s'avancer pour nous free poke et partir à 852 ms avec le Zilean. Genre sur Syndra et... Ah oh, merde, comment il s'appelle? Et Sivir, c'est trop trop chiant. Je sais pas trop quoi faire. Hein. J'aimerais bien claquer sa banshee à lui. Oh, c'est tellement close.
Ok, elle est là. C'était pas lui. C'est Syndra sûrement. Ouais. Ah non, c'était quelqu'un d'autre. En fait, j'ai pas encore la concentration de l'antenne, du coup, je sais pas qui est-ce que je touche. Ça, c'est chiant en vrai. Après, tu peux lancer une normale. What? Pourquoi il court vite, le sbire? C'est quoi ça? C'était quoi? On est d'accord qu'ils avaient un boost de vitesse? Et ils couraient, on aurait dit un prince de Clash Royale, genre. C'est quoi cette dinguerie? Shurelia, ok. Je savais pas qu'on pouvait accélérer la vitesse des CS. Je lui ai mis l'écart mais elle court trop vite. Personne va mourir. Oh là 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 là. C'est si dur de faire quoi que ce soit. C'est trop compliqué genre. Nice. Et j'ai que des skill shots et ils courent tous à 850 à l'heure genre. C'est trop dur. Je sais pas quoi faire. Sylvain, c'est broken depuis 1920. Mais de ouf. Mais personne le joue, genre. J'ai jamais compris ça. Il y a tout ce qu'il faut dans le champ et personne ne joue Zillion. En plus, à ce qui paraît, c'est hyper drôle à jouer. J'ai jamais tenté, mais... C'est super marrant, du coup. Le R est super fort. Le CD est ridicule. Genre, je sais pas. C'est juste bizarre. On va juste mourir si on reste là. Ils sont tous vivants. Comme Ivern, tu peux légumiser un champion. Bah ça, ouais, ça devient débile quoi. C'est ça que tu veux dire? Je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, enfin ce que t'entends par légumiser. Parce que pour moi un légume c'est un mec sur un lit qui bouge pas quoi. Ah, je crois que je suis vu les gars. Il a R là? C'est un malade mental le Rengar. C'est un barjo genre. Ok. Heureusement que j'ai mis avec moi. Bon, j'ai claqué ma barrière sans faire exprès, je voulais juste flash. Mais c'est pas grave, ça passe. Ils vont s'en sortir, hein. Parce qu'ils font pas de dégâts. Zillian, ça fait trop mal, mec, hein. Ça fait trop trop mal, Zillian. T'es un malade. Bon, Ivan, c'est pas pareil. Mais pour le coup, Zillian, ça fait trop trop mal. Quand tu mets deux bombes sur un mec, là, même une bombe et que ça fait genre 400 de dégâts, c'est un délire quand même. C'est pas Yone Yasuo avec plein de dash. Oui, c'est sûr, ça. Autant Yvian, j'arrive à comprendre, mais Zillian, tu cours vraiment vite et tout. Après, c'est vraiment que de l'utilitaire. Mais tu peux mettre des bons dégâts quand même dans les fights. Tu mets une bonne double bombe, tu carries un fight tout seul. Mais oui, c'est vrai que c'est pas comparable avec ce champ-là, ouais. En termes de fun. Après, tu vois, on parle de jouer des champions fun, mais il y a quand même plus de gens qui jouent Malzahar que Zillian, alors que Malzahar, c'est sûrement le champion le moins fun à jouer du jeu. C'est vraiment le champion avec le gameplay le plus rincé que j'ai vu de ma vie, hein. Genre, le fun que t'as à jouer Malzahar et Zillian, il est incomparable. Ouais, c'est vrai. Les plays et tout, là.
Les vidéos best-of de super serveurs chinois. Ouais, peut-être pas la win finalement. Ah. On peut rien faire. Hein. Enfin, la vitesse à laquelle il se déplace, genre. Comment je mets un slingshot là-dedans? Ils ont la soul. Sage. Bon. Je pense que la game est lose. On va voir s'il n'y a pas un miracle qui peut se produire, mais bon. Je n'y crois guère. Je pense que ça va être la merde. Jusqu'au bout. On va se faire lentement rouler dessus. Après, je sais pas. Mais Twitch, il joue AP aussi. Je sais pas. Parce que d'habitude, les Twitch sur des Yumi. Enfin, les Yumi sur les Twitch, c'est, ça donne des dingueries en game. Mais c'est pas des mecs qui jouent AP, quoi. Du coup, c'est sûrement pas pareil. Nice. Rengar va mourir. Voilà. On sait pas ce qu'il fout là-bas. Il y a pas d'objectif, il y a rien, mais écoute. Moi, j'aimerais bien aller chercher de la paix. Courage, j'en supplie. Bon, il a pas couru. Sad. Eh bah écoutez, Lucina aurait fait tellement dans cette game. C'était un truc de fou en vrai, hein. Surtout les fights. C'est impressionnant ce que ça peut faire ce champ. En termes de carry et tout. Et je vais voir avec Yvan s'il veut jouer. J'ai envie d'honorer personne, hein. Je vous sens froid la Yumi. Je suis à combien d'LP 40? Non, non, 50. Allô. Clac, je vais checker mes MP. C'est incroyable. Je viens de recevoir un MP de Justin. C'est légendaire, genre. Je ne dirai rien parce qu'il y a des gens concernés dans le chat, mais... Y'a pas d'autre mot que légendaire là, je pense. Hop. Vas-y, je vais me mettre en vocal du coup. Si Yohan il veut jouer. Là. Yes. Ouais. Oh mon dieu. Hola, Vincenzo. Comment ça va, bro? Ça va et toi? Nickel. Est-ce que t'as vu dans privé ce que Gab a envoyé avec la figurine d'Éric Zemmour, là? Non, j'ai juste vu qu'il volait les chaussettes de Marion à des fins non catholiques. Ah, mon dieu. Pourquoi il y a les oreilles comme ça sur le packaging? Mec, en même temps, les oreilles de Zemmour, c'est peut-être le seul argument de marketing. Il y a écrit « Ben voyons » en bas. White Flag Toys. À l'écoute de la France. Ah, c'est pour ça les oreilles. Plus 18 quand même le cadeau. On sait jamais. Avec. Faudrait pas corrompre la jeunesse. Je vais aller manger mais... Le truc du calendrier de l'avant du 24 et du 25, j'ai pas fait. J'arrive. Je lance la recherche. Vas-y. J'espère que ça va pas proc instant. Faut que je me cherche de l'eau aussi.
En fait, dans le calendrier de l'Avent, il n'y a pas de... de 25, puisque le principe, c'est l'Avent, quoi. C'est dans le nom, quoi. C'est comme l'ordinateur portable. Pourquoi ils font pas des calendriers de l'après, mais avec genre... quasiment tous les jours de l'année? Les calendriers de l'après, il va de la fin du calendrier de l'Avent jusqu'au début du calendrier de l'Avent. Il y a genre 365 jours moins 24. Ce serait exceptionnel. Bro, j'ai eu une bibliothèque pour Noël. Ah là là. Je l'ai montée, tu sais, j'ai mis genre entre les deux que j'ai là, chez moi. Ouais. Et dedans, j'ai mis le projecteur, la Switch et tout. J'ai fait un câble management avec mon couteau de survie, bro. C'était un grand moment. Ah ouais. J'ai pris le fond là de l'armoire. Ouais. J'ai commencé à planter le couteau dedans pour faire des trous, pour faire passer les câbles. C'est un travail de professionnel, bro. Quel chat. Les bords, ils... Je pense que si tu peux couper de la viande avec les bords. Hein. J'ai coupé ça n'importe comment, ils sont très très chers. Tu les frottes un peu tous les jours, à la fin, ils seront plus... C'est vrai. Mais là, ça marche. Alors, je n'y touche plus. Ouais, mec, j'ai ce qu'il me faut pour notre prochain bivouac. Comment ça? Une boîte un de capote avec, un bonnet avec des écouteurs dedans. Oh, c'est trop bien, ça. Comme ça, mec, la nuit, j'aurais plus besoin d'avoir, genre, mon bonnet plus mes écouteurs qui me détruisent les oreilles. C'est ultra bien. Mais il y a quand même une petite bosse, hein. Ouais. Mais c'est mieux que c'est mieux, une petite bosse que l'écouteur qui perfore le tympan, quoi. Ouais, c'est clair. Par contre, bro, avec Romain, j'ai découvert le plaisir de mettre la musique de Crazy Frog à fond avec une enceinte dans une tente quand t'es en train de faire du camping. Il faut qu'on partage ça ensemble, hein. Genre, c'est... Il y a des gens, ils cherchent leur chien à côté de la tente, toi tu mets Crazy Frog à fond, ils sont en mode « ça vient d'où, je comprends pas, ça fait une heure et demie que je cherche sans bruit dans la forêt. » C'est trop bien. Ça va le Covid, bro? Ouais, ça va. Moins mal au poumon, mais je tousse plus. Ah putain, c'est chiant. Moi, j'avais pas mal toussé, en vrai. J'avais pas mal au poumon, mais j'avais pas mal toussé. T'as intérêt d'aller mieux le 31. Ah mec, t'inquiète pas, avec toute l'école qu'il y aura, ça pourra qu'aller mieux. Bro, en vrai, fais-toi des petits shots de tequila tous les jours, le paquito, avec du jus d'ananas, là. Tequila paquito, tous les mec. Je me lève, je prends mon armagnac. Mais en vrai, les grands-pères, ils étaient jamais malades, hein. C'est pas pour rien, bro. Ouais, après, ils mouraient à 30 ans, c'était peut-être pour ça, quoi. Ouais, mais quand tu rentres de la mine et que tu bois de l'armagnac, je peux te dire que t'es tanky, hein. Parce que le charbon actif dans l'alcool... Les symptômes ne sont pas là. Les symptômes, ils voulaient pas proc parce qu'ils avaient trop peur du train de vie du mec. C'est après, c'est les symptômes, ils ont des symptômes. Quand l'air que tu respires, c'est du charbon avec un peu d'air, quoi, c'est... Ouais, de ouf, hein. C'est pas quelques maladies qui vont t'avoir. Bro, t'es là, déjà tu rentres de la mine et en plus, t'arrives quand même à trouver le moyen d'avoir genre 12 enfants avec ta meuf. Je pense que tu es invincible. Et mec, j'étais là, leur journée, c'est genre se lever, manger, miner, rentrer, baiser leur femme, manger, dormir, recommencer. Bro, t'oublies la partie investir 3/4 du salaire dans de la bière, mais c'est pas grave, ça. Ouais, mais ça... Tranquille. C'est pour pouvoir avoir le courage de miner. Personne ne le sait, c'est un peu comme la discrétion sur les premiers Assassin's Creed. C'était ridicule, en vrai. Hey, mais tu viens de tuer 8 soldats. Ah, tu pries avec des prêtres. Ah, je ne te vois plus. Plus de soldats, soldats. En plus, c'est vrai que genre être en tunique blanche pour assassiner des mecs en leur plantant des lames dans le cou, c'est vachement discret. Je pense que c'est pas trop cramé, quoi. Monsieur, vous êtes un cardinal? Pourquoi? Bah, votre robe est rouge. Ah, ah ouais, oui. Ouais, le cardi truc là, ouais. Cardinal là. Santo Spiritum. Et tous les trucs en latin là. Bro, je sais pas si t'as vu le tweet. On m'a filé une guitare là. Elle était trop cœur pour eux. Ah oui, oui. Oui, avec le truc de tatou là. Trop bizarre. Genre, il y a encore les poils et tout. Genre, c'était trop chelou. Je voulais te répondre une connerie, mais je me suis dit, je te laissais tranquille pour ce coup là. C'était vraiment trop bizarre. Mais lui, il a que des instruments du futur. Hein. Visiblement, le futur sera avec des tatous. Le futur, c'est infogramme. Bon, alors, j'ai pick Sivir. Mm-hmm. Je joue Sivir Vitalité parce que tu mets un Q, tu one-shot. Oui.
J'en avais une dans ma game d'avant. C'est que je touche pas des tubes. Ah, ok. Et sinon, ça se passe bien. C'est pas grave, bro, je te fais confiance. Par contre, mec, ce matin. Genre, tu sais, le fight que je te disais où, genre, j'ai one shot deux personnes d'un coup. Genre, en fait, grosso modo, on était là. Moi, j'étais au mid en train de push. Et ils étaient en mode, on va les fight ici alors qu'il n'y a plus de jungle. Ouais. Bah, vu qu'ils étaient en 3v5 dans la jungle à fight pour rien, bah, ils ont perdu. On était en 2v5. J'étais venu là pour les aider. De là à là, j'avais fait genre 3 kills. Ah oui! Après, j'ai le pire avec Sivir, c'est quand tu fight genre ici ou ici. Ouais, c'est ok. Tu sais que là, t'enlèves genre 80% d'HP des gens en appuyant sur une touche, quoi. Après, j'ai fait une autre game, il y avait une Samira en face, elle a fait 3 Penta dans la game. Une très bonne game, ça aussi. J'avais jamais vu un tel viol. Tu m'étonnes. Là, ça va, en face, il y a Harry. Un match-up. Chiant, mais normalement ça va aller. Je pourrais pas la tuer sans gank. Mon père il m'a offert une chaise de gamer pour Noël. Mais non! Je suis trop bien, bro. Ah, nice. Faudrait que t'envoies une photo, bro. Ouais, de ouf. J'ai trop hâte d'aller acheter le piano, bro. Ah ouais. Je suis trop hype. J'espère que je vais réussir à être. Ouais? Il ouvre son cadeau. Je dis pas plus parce qu'il est peut-être sur le live en train d'écouter. Bro, Justin il m'a envoyé en MP le cadeau qu'il t'a fait. C'est le meilleur cadeau que j'ai vu de toute ma vie, bro. Ah ouais? Ah bro, c'est... je dis rien mais c'est exceptionnel. Si Justin il m'a offert le meilleur cadeau que t'as jamais vu, c'est très possible que vous soyez tous les deux emballés. Oh la disquette. Tu sais qu'aujourd'hui je parlais avec le frère de mon beau-père. Ouais. Et genre on parle de crypto parce qu'il en a acheté quelques-unes aussi. Et je vois un moment, il a investi dans le flow. Et je lui dis, mais pourquoi t'as acheté du flow? Genre, je lui dis, t'en as déjà assez? Et il me dit, mais comment ça, j'en ai pas assez? J'en ai déjà assez, je comprends pas, j'ai que ça, genre, j'ai que ce que j'ai dans ma wallet. Je t'en mode, non, mais genre, toi-même, genre, ta personne. Et bro, il a bugué, et il a mis genre vraiment 2-3 secondes à comprendre. Le champagne, ça fait du ravage sur les gens, hein, genre. Ouais. Tu peux même plus lui disqueter tranquillement. Du coup, j'ai pu bien me foutre de sa gueule. Il y a le mec d'une des sœurs de mon beau-père. Elle nous a présenté son copain aujourd'hui. Le mec il arrive, il rencontre sa famille comme un gros tchad. La famille de sa meuf le jour de Noël, genre. Non. Et après, j'ai compris pourquoi c'était un Omega tchad. Il est genre turc-éthiopien, bro. Tu peux pas être un plus gros tchad que ça, genre. Quand t'es turc et éthiopien, pardon, genre. C'est quand même le mec, son président, c'est Erdogan, quoi. On rappelle. C'était quand? Je crois que c'était peut-être hier soir. Il y avait un truc en mode. Tu sais, les Français qui partent à l'étranger pour Noël. Ouais. Et en gros, il y en a, ils avaient fait un espèce de train de vacances, mais un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et en gros, à la fin, ils se retrouvaient et t'avais plein de familles de plein de pays. Et ils attendent pour faire le décompte le jour de l'an. Et t'as les animateurs qui sont en mode bon alors en français bonne année bah c'est bonne année en anglais c'est happy new year et tout. Ouais. Et après ils arrivent et ils sont en mode en turc c'est et moi je regarde ma mère je fais Urundur. Et le mec c'était vraiment pas loin de la vérité. Mais... t'es mort de rire. Ah bon? En gros ça va terminer. Oh c'est incroyable en vrai. Genre phonétique, enfin. Ouais, genre, comment il a dit le mec, c'était proche quoi. C'était pas dans le bon ordre, mais phonétiquement c'était très très proche quoi. Ah oh ouais, c'est trop marrant. Ah mec, ça m'a achevé. T'as dû vraiment rire tout seul. Ah mec, j'ai rigolé en haute voix. Ta mère elle a dû juger de ouf, mais c'est pas grave. Non, je pense que j'ai fait aussi. Ah, du coup, là on est bien parce qu'on était venu pour aider Karine, mais. Nice flash. Merci. Non, c'est trop marrant. Ah, mec. Mais du coup, maintenant qu'il m'a parlé, j'ai envie d'aller à Istanbul de ouf. En vrai, ça a l'air d'être une chicane ville. Ouais. Genre, quand il me dit que quand il retourne à Istanbul, en fait, il arrive le vendredi soir. Et en fait, il fait des soirées jusqu'au dimanche matin. T'es en mode, je vais aller à Istanbul. Je pensais pas qu'il me tuerait. Putain, j'ai pris tellement de bursts. Je
j'aurais dû flash out, my bad. Les stickers de Clément, mec, ils sont pépites. Les stickers? Sa bagnole. Hein? T'es pas au courant? Non. C'est Théo, il lui a acheté son truc là, la boiserie. En bleu, blanc, rouge. Je comprends rien à ce que tu racontes, bro. Ah mais, en gros, Clément, il a eu son permis il y a pas longtemps. Ok. Du coup, il a été gratifié de la sainte Fiat Panda. Oh mec, c'est la meilleure voiture. Et c'est une voiture genre qu'il a temporairement, donc il s'en branle. D'accord. Et donc du coup, Théo est en mode, eh ben, je t'ai acheté un autocollant la boiserie en bleu, blanc, rouge que tu colles à l'arrière. Ah ouais. Ok. Et du coup, moi, j'ai acheté les stickers flammes pour les mettre sur le côté. Oh sa mère, vous avez vraiment fait ça? Et Justin, il a acheté les dés en moumoute. Oh bro, mais faut que je trouve un volant en moumoute, genre. Oh oui. Faut que je trouve le truc de volant, genre rose. Les dés, ils sont roses ou pas? Ils sont violets. Il y en avait des roses, mais la texture a été lisse, alors du coup, c'était pas ouf. Ok, faut que j'arrive à trouver un contour de volant. Mais après, le problème, c'est qu'il faudrait que je trouve un truc aussi pour Théo. Théo, j'ai pris un calendrier de l'avant, mais du permis de conduire, parce qu'il a plu. Viens, je lui achète un disque bleu là pour se mettre au parking, vu qu'il peut plus conduire. Harry, elle décale top, je pense. Non, même pas. Elle a juste back. Harry a juste back, je pense. My bad, je pensais qu'elle décalerait top. Ou alors. Ah non, elle est bien top. Oh, fait chier. Tu peux me ping Harry, bro. J'aurais back, ma push. J'ai quand même SS 3 fois, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait plus Rakan pour ce fight. Je suis en mode, mais j'existe. Du coup, tu leur as rappelé que t'existais en prenant 2 kills. Ah. Comment j'ai réussi? Oh la Harry est trop nulle. Elle est vraiment nulle. Ce qu'elle vient de faire, bro. Ah ouais, ah ouais. Ah la gueule de Harry. Hit tout ce qu'ils aient. You? Elle a littéralement tout raté, Joe. Non. Elle va survivre avec ce peu d'HP. Enfin, ils ont tous les sens. Genre t'as pas touché cette skills, bro. T'as Dashin avec ton dernier R, raté ton bisou, raté ta boule, mis tout tes spells à côté. Genre... Tu es ridicule. Excuse-moi, mais... Mais non. Je suis pas d'accord, Harry. 7. En fait, je me suis littéralement approché de lui pour qu'il mette un E, pour que mm-hmm. moi je puisse mettre un E et régène ma mana. Ouais. Il a quand même réussi à rater son E, quoi. Les mecs, tu comptes sur eux pour te toucher et quand il faut, ils le font pas, quoi. C'est ça. Super. Nice. Oh, elle serait partie de l'autre côté, elle serait tellement morte. Larry, elle est pas ouf, hein. Le problème c'est que si j'ai mon R, elle a son R et je peux pas la fight, enfin je peux pas la tuer. Bon, Rakan, il va falloir penser à arrêter de mourir. Rakan. Ok. C'est fine.
Elle a claqué son verre, du coup je peux la tuer. Elle m'a outplay. Elle m'a pété un plan dans le chat, bro. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment... À la toute donne, j'ai juste appuyé sur R et elle est morte, genre. Là, c'est vraiment drôle. Bon, après, j'ai mis mon Q et du coup, elle a reculé dans mon R et elle est restée dedans, mais c'est rigolo. Elle doit être détruite mentalement, là. Il y a Seth qui décale bot. Avec Poppy. Oh, putain. Bon, vous êtes mort, mais moi vous l'avez tué. Quoique, c'est même. Ah, si. Rakan, il aurait dû juste se barrer. Hein. Ouais. Après, vous... c'était trop tard, je pense. Hein. Ouais. Dans tous les cas, fallait tenter, mais. Là, ils ont déjà plate. Ils sont bots, donc je peux m'escape tranquillement par là. Yarin, il allait faire sa gronde quand même. Oh, oh putain. Nice. Heureusement qu'il a été clean parce que... Nice en vrai. Ouais. Je sais pas où va Harry, faites gaffe. Elle a perdu la plate. Je fais le carat. Je peux pas y faire grand chose en vrai. Surtout qu'elle a sûrement là. Je suis mort. Oh. Il a smite. Let's go. Oh, j'en ai trop marre, bro. Elle est encore bot. Je pensais qu'elle remonterait après je le carat. Je peux avoir juste un support qui va pas genre tout droit vers la mort à chaque seconde. Toute ma journée, j'ai eu ça. Ça... Ça te brouffe. Plus de TP sur Harry. Hop. Je prends une pink et on y retourne. Elle va enlever la mienne. Ok, c'est bon. Hop. Putain, elle a un Everfrost, elle. Ça va être compliqué de pas mourir là. Merde, me casser les couilles ce petit mage là. Ok, je sais pas où est Harry. Ouais, bah sa vie attrape ici. Je voulais que mon Q passe, mais il a tapé le creep. Qu'est-ce que les couilles, hein. Du coup, elle a pink là-haut, je vais mettre une pink ici. Merde, putain. Y'a Poppy qui arrive. J'en ai trop marre. Je pense arriver. J'en ai vraiment trop marre, bro. Harry, elle va arriver aussi. Ah non, elle est là. Le problème, c'est que vous prenez 20 milliards de gank et que... On peut pas y faire... Enfin, laquelle est... Là-dessus, elle fait rien, genre. Mais elle peut pas trop. Votre tourelle a été détruite. Je t'entends pas, bro. Je sais pas si tu parles, mais... Non. Ok. Non. Bro, c'est trop chiant. Ah, tu m'étonnes. T'es allé et tu finis par perdre quand même, quoi. Top, elle perd aussi. Ah, Larry est top. Sidle, ça peut être comme CSGO. Seth, ça casse les couilles, hein.
La taille de son shield, genre, ça m'a fait péter un plomb. Harry, elle peut me tuer avec son air. Oh, je suis mort. Allez, le deuxième. Non, il manque un coup de tour. Je suis sad. J'aurais dû flash le bisou. Et je mourrais pas. J'ai un peu grid. Juste prêt pour duo Q. Bah, ce serait sûrement de la flex, du coup. Du coup, je peux plus la 1v1, j'en ai trop marre. J'en ai vraiment trop marre. Ah, sad, bro. Casse les couilles. Si ça te va, man, de flex. Oh, cette musique. Ce combat d'autiste au top. Il flash out. C'était tellement ridicule. Ils étaient tous en mode tourelle à se mettre des autos. C'était pas maintenant le moment de la musique que je voulais chanter. J'ai envie de pleurer. Ok, nice. Ah ouais, stylé mon farming. Je les ai pulvérisés. Je viens de les pulvériser, gros. GG, gros. Je pourrais pas la tuer, elle. Oh, la violence de ce move! Ah, ça. J'ai des 1050 sur moi. Ok, pour flex. Nice. A chaque fois, elle recule. Là, elle a avancé. Ok. Pas pu réactiver mon Q, du coup. Mais j'ai mon item. Ah ouais, Nasus, t'es pas trop casse-couille comme mec. Vraiment venu me cancel mon bac avec sa zone du cul, là. Je vais attendre les golds. C'est un enfer cette partie. Oh, il manque rien. Nice. Allez, Karim! Je t'en supplie, bro. Tue! Mais tue, Eka! Ok, il l'a eu. Je sais pas si je l'avais avec mon Q. On l'a tellement de chase. C'était n'importe quoi. L'important, c'est qu'elle meure. Cette chagasse. Ah, putain. Holy shit, j'arrive. Holy shit. Mais c'est 7 ça en fait. Mais je suis trop con. Oh. Oh. Oh team. Oh là là. Comment je peux m'en sortir là-dessus? Mais gros, mais c'est n'importe quoi ce jeu. Comment je suis pas mort? N'hésite pas à bien courir dans mon air en tout cas. Nasus, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah stylé. C'est n'importe quoi cette game. Comment je suis pas mort, gros? Ça c'est huge. J'arrive. C'est Rakan, hein, je crois.
canne, il les a. Il les aère. Toi, t'as de la chance que j'ai pas mourir. Parce que je te jure que t'étais morte. Hein. Bon, le problème du set, c'est que je peux pas le R pour le tuer. Parce qu'il proc son shield. Et que j'ai pas les dégâts. Même en faisant que des dégâts bruts, je traverse pas son shield. Harry, elle essaie que de faire des trappes. Mais sauf qu'elle se met derrière des murs. Du coup, elle peut pas mettre de dégâts aux gens. Je joue Rakan. Comment elle... Ok, je crois qu'elle mourrait pas. Ça allait me rendre fou. Mais c'est fine. Je n'avais pas vu qu'elle faisait le bleu. Nasus est en train de push ça tellement sale. Au top, on est dans la sauce. Hein. Je sais pas, je pense. Quand tu auras le temps, tu pourras toucher les paramètres du serveur MC si la fin mort de Roux marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien, Yui, mais il faut que tu me dises ce qu'il faut que je fasse du coup. Genre, si t'as une idée de ce que c'est le problème. Et est-ce qu'il a regardé que la farm qu'il a fait, elle est compatible avec la version. Avec la 1.18, genre? Vu qu'il y a eu des changements. Il a quand même Q flash. Hein. Il s'est dit je vais la tuer quoi. C'est un malade. Faudrait mettre le anti-tick rolling à 24. Je crois qu'on avait augmenté par rapport à la farm à poulet. On a trop de poulets. Ah oui. Ouais ouais ouais. Ok ça marche sur ce principe là. Oui là c'est à 800 donc ils vont jamais suffoquer. Ah j'ai pu jouer de ouf là. C'était cool le. Ce gameplay hein. J'aurais dû flash out avant. Je le ferai dès que j'ai le temps et dès que j'y pense au caillou. Au pire envoie-moi un MP sur Discord 2. Je suis un connard d'avoir R la Harry alors que... Il lui restait encore un stack de R. Je suis trop con. C'était sûr que je pourrais pas la tuer. Elle l'a tué avec son gel éternel. C'est combien de dégâts là? 170. Dommage. Ah ouais. C'était close? Imagine, t'es là, t'essayes de chase Ekarim. Oh là là. Prends des bons dégâts le 7. Donc pas trop. Dommage. Harry elle va arrêter de nous faire des trappes ici là, elle m'a cassé les couilles. J'aimerais trop qu'elle revienne dans le bush pour essayer de trap. Oh y'a 7. Oh non. J'ai pété un plomb à la 2 HP. Mais ça fait deux fois! Mais ça suffit! J'en ai trop marre! Merci, bro. Oh, y'a la Poppy qui est là! S'il te plaît. Je vous en supplie. Elle est tellement partie avec 2 HP. La vie, c'est tellement une pute. On push, nous?
Bah écoute, ils sont partis défendre. Samira, elle est bot. Et Yana, tu stop. Il reste que la Poppy qui avait 2 HP. Je crois que cette tourelle est plutôt free, hein. Non, ça approche du moment où c'est dangereux, là. Ouais. Ouais. Ah, elle vient de 1v1 avec Karim. Au top, ils sont chiés. Faut qu'on back, hein. Hop. Ok. Ok, c'est reparti. Alors, non, pas deux. Nasus, je crois que j'ai les dégâts pour le tuer. Le problème, c'est 7. Je peux pas le one-shot, c'est chiant. Et Harry, je peux pas la one-shot non plus avec son R. Samira, pareil. Avec son truc pour cancel. C'est trop chiant, en vrai, leur team, elle est trop chiante. Ils ont trop de dodge. Hâte de te faire des mots. Je pense qu'il faudrait qu'on perde beaucoup de games quand même. Surtout en flex. Je sais plus à combien de LP je suis en flex. J'ai oublié qu'elle avait un shield bow. A chaque fois j'oublie que cet item de merde existe. Sans le shield bow elle meurt là, ça me casse les couilles. Je suis trop con. M'a coûté mon R pour rien. Bon ça va, j'ai dans 30 secondes. Mais c'est ça deux. Ça. Et la coin. Nice, bien joué. Nice, nice. Il y a le Drake bientôt. Putain. Elle a air ou pas, la Harry? J'ai pas vu. Ouais. Elle a air, là, déjà? Ouais. Ça a pas touché, mais ça marche. J'aurais trouvé mes clics à la touche. Si elle est pas en vie. Oui. Ouais, du coup, on a pas de loyer. Du coup, on a l'air con, là. En vrai, on a tué Harry sur le move du Drake, c'est fine. Mais je pense pas que Rakan il arriverait à la catch. Après, je l'ai slow aussi avec mon R, mais. Ah, pourquoi tu l'as slow? Il a flash out. Oh! Attends, mais c'est un malade! J'ai peur de ce move, je sais pas quoi faire. Ouais. Ah putain, il s'est fait pousser. Je me suis fait cancel moi à l'instant, c'est pas un charme. J'ai envie de pleurer. J'ai fait 4 ah personnes là dedans. Là là là. Aïe 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 aïe. Tout ça parce qu'il voulait chase un kill. Ouais, c'est ça en vrai. Hein. C'était close. Ah, ils s'étaient tous alignés, j'ai pris un bisou. Ça me rend trop triste. Ah, c'est dommage. Ouais, bon, genre mon R il a duré 0,1 seconde. Bah, je sais pas si on lose là-dessus, mais je pense. Hein. Bon, en tout cas, on est dans la sauce. Le démon, ouais, ça casse les couilles. Hein. Bon après la game elle était déjà compliquée de base mais... Parti quand mes démons se révoltèrent. Aïe 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 aïe. Elle casse les couilles cette game. Larry était nul. Ah non elle est feed. La Samira était pas au fond. Ouais c'est ça d'un. Samira, c'est vraiment la dinguerie. C'est rare qu'elle soit derrière dans le game.
Alors, je l'ai pas vu. Généralement, elles sont Omega Feed dans toutes les games. Et t'as la moyenne. Ah, j'ai essayé de le slow, mais. Je pense qu'on va. Si on le chase, on meurt. Je fais aucun dégât. Moi, je lui fais mal, mais. On va mourir si on le chase. On va pas faire deux fois la même merde, Rakan, quand même. On a perdu le Drake sur le même move. Tu peux pas nous refaire la même chose. Il y a une TP au top. Ouais, bien vu. A chaque fois elle dit baise la tête, ça me perturbe grandement. Oh putain. Oh sa mère! Ah, j'ai bien touché tous mes spells là? Elle a heal, du coup elle meurt pas. Je meurs. Ah, c'est sad. Il est si chiant ce jeu. Oh. La vie de la Samira, on en parle pas. Ouais, cette game. Mec, ça c'est toute ma journée. Oh, t'as fait que perdre aujourd'hui? Ouais. Oh, trop triste, bro. Tout le temps que des trucs comme ça. Et là, t'es en laning phase, t'es bien, mais t'as toujours genre un support avec 12 morts, quoi. C'est compliqué. En vrai, la game, il y avait plein de moves où c'était ridicule. Mais le Rakan, il nous a fait perdre la game quasiment lui tout seul sur le move du Drake. Mais bon, c'est pas grave. Elle était pas gagnée de base. Mega suite. Viens, on décale sur mon Discord, Yohan, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, go. Ma chaîne, elle n'arrive pas à taper des captchas. Ça y est. Oui, je galère à taper des lettres. On l'a tous vu, hein. C'est pas grave. Bon, en vrai, t'es bien là, on arrive sur une série de victoires là. J'espère que ce sera à la hauteur de nos games. On est à notre prime là. Ah, on est vraiment au max. J'étais pas sur sur LoL d'ailleurs. Ah, c'est Twitch. Quoi? Non, T-O-U-A-2-T-E. Comme ça se prononce. Twitch? Bah, my bad en vrai. Bon, en tout cas, j'ai l'avantage que si jamais je touche sur les ennemis, ils meurent. J'avoue, bro. Joue Sinjet dans le Covid en vrai. Oh putain, en vrai tu fais de la peine un peu. C'est trop triste. Ça va, j'ai plus mal au poumon, c'est déjà ça. Ouais bah ouais. J'ai eu TF, ok. Vas-y, let's go, c'est parti. La sensation d'avoir des aiguilles dans les poumons, 7 sur 20, je recommence pas, je te grande pas trop. Ah putain, quel enfer. J'espère vraiment que t'iras mieux pour le nouvel Ambro. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, je confinais déjà jusqu'au 29. Pardon. Gros, j'ai ouvert ma bouteille, le bouchon il est tombé, il a roulé sur l'intégralité de mon bureau, il a rebondi, il a roulé sur genre le rebord de ma mezzanine, après il est tombé. Après, bouchon, il est tombé genre à 4 mètres de là où je l'ai enlevé, c'est quoi cette merde? Par contre, bro, ouais. Justement, l'école à la cerise là du Portugal. Pour le nouvel an, j'ai trop hâte que tu goûtes ça. Hein. J'ai trop hâte de tout goûter, bro. Je veux tout goûter là. J'en peux plus. Le bouchon est la même ulti que Harry, full dash. Il est insupportable en vrai. Hein. C'est un truc de ouf. Après, le bouchon il fait pas de bisous malheureusement, mais j'aurais bien aimé là. Après, bro, je me dis. Tu sais, c'est comme quand t'as mal à la tête pardon, avant une soirée. Et t'es en mode, c'est pas grave, quand je vais boire, j'aurai plus mal à la tête. Si ça, ouais. Ça marche, bro, le Covid, c'est pareil, t'inquiète. Tout va bien se passer.
Faudra que je me fasse tester aussi avant. Mais du coup, j'ai. Enfin, franchement, ces autotests, ils marchent pas, du coup. Ouais, c'est ce qu'il me disait. Bah ouais, c'est chelou. Donc faudrait que je me fasse un petit PCR là. En fait, j'ai juste peur parce que là, on a fait Noël avec plein de gens de la famille de mon beau-père, vu qu'ils sont sept frères et sœurs, tu sais. Et j'ai du mal à croire que dans toute cette équipe-là, il n'y en ait pas un qui l'est, tu vois. Et ça me ferait péter un plomb. Gros, j'ai genre 150 balles de cadeaux pour vous là. Si je ne veux pas venir au Nouvel An, je m'arrache le crâne. C'est bon, j'arrête Tu tout. viens quand même et tu restes dans une autre pièce. Ah, rien à foutre, mec. J'ai commandé les combinaisons pour aller dans les centrales nucléaires là qui ont explosé. Combinaison hazmat. Exactement. Ou alors tu passes toute ta soirée dans le jardin de Théo, genre sous un arbre, et on s'approche pas à 3 mètres. Je prends mon hamac, je dors dehors. Là on discute à distance et tout. Ou alors, mec, je ramène ma tante. Vous m'achetez de la 8-6 et je fais un petit roleplay. Roleplay Colline du Crack à Paris. Et mec, pour être complètement roleplay, tu peux aller chez Clément sur sa dalle de béton qu'ils ont genre commencé à couler, et ils sont arrêtés et ils ont jamais repris. What Du coup, Ils ont tu me genre casses les commencé couilles. à couler une dalle de béton. C'était en mode on fait une pause. C'était en mode ouais. Et ils ont Un jamais génie, bro. repris. Après, il faut pas tomber dans les blagues sur ses origines, quoi. Et le travail mal fait dans le monde du bâtiment. Oh, ta chaise, elle est trop clean, bro. What the fuck? Salut. Mais mec, mais. En fait, c'est une insulte à ta chaise d'avant, quoi. Ah clairement. Sur Mec, la ma chaise photo que t'as d'avant, il y a envoyée. quoi dessus? Il y a ma trousse à outils. Sur la photo que t'as envoyée, là, dans ton bureau, on est d'accord que c'est genre un casque de boxe? Ah oui. C'est celui qu'on avait acheté. Mais ouais, des bons souvenirs. D'ailleurs, maintenant, le Décathlon, il a ouvert à Lens. Nice. Mercredi, il y a Romain qui vient. On va pouvoir refaire un stream Exact. une mort égale une patate sur League of Ah Legends. là J'ai trop hâte. Perdre encore plus de neurones. Let's go. Perdre ce qui me reste. on va falloir les rembourser, hein. Après, ça va, je suis pas le pire dans l'équipe vu que on a un OTP Garen, quoi. En termes de neurones, ça devrait aller. Oui, il m'en reste très peu. Moi, je suis juste venue pour Int, d'accord? Je vais pas Ok. faire la conversation. Après, on n'avait pas besoin de toi pour int, donc comme ça, il y aura juste plus de int. Bah yes, let's go. On a déjà bien int tout seul. Alors, il n'y a pas de J'ai fait une problème. game avec des diamants tout à l'heure. Genre, Oula. c'était Master 2 de ma promo. Genre, j'ai envoyé mon pseudo LOL, ils m'ont ajouté, je savais pas du tout qu'ils étaient diamants ou quoi. Ouais. J'ai eu trop peur et du coup, je me suis mis grave la pression et j'ai fait la meilleure game de ma vie. Genre, Incroyable. j'avais 300 de farm What et là, the j'ai dépensé toute mon énergie. Vraiment, là, je vais juste finir en 0-10. fuck? Et t'as pas perdu du coup? Non, on a gagné du coup. Putain, la dinguerie. Incroyable. Mais du coup, t'as joué contre un mec au top qui était diamant du coup. Non, en gros, j'ai swap. Soit je jouais Ah. contre une Vayne top qui était genre. Non, elle était plate 2. Et j'ai joué contre une Vex hors 2. Mais sinon, le reste de la team, il y avait Ok. des diamants. Mais ouais. La Vayne top contre Garen, quel plaisir. Nickel. Le bon moment. Le démo arrive vite. Et je ne parle pas des choses qui fâchent, Yoé, s'il te plaît. Je suis un petit peu loin là, ça va. Bro, Ouais. j'ai drop une orbe de séducteur. Dans mon orbe de Ça séducteur, m'étonne pas ça, bro. Ça j'ai eu m'étonne pas de Draven toi. Faucheur. Oh Ah bro, j'ai ouais? fait te péter la nuit au Nouvel An. La nuit. Ça me fait si rire, bro, comme prononciation. Du coup, je possède Draven Faucheur. J'ai Let's go. Premier Sling Draven. Oh putain, en vrai, à partir du moment où t'as Draven, C'est meilleur. il est vraiment exceptionnel. En vrai, il est vraiment mieux. Pourquoi on est à 6 minutes de queue là? Ah ouais, la flex à 3, c'est un enfer. Et encore, on a à peu près tous les mêmes elo là. Quand on joue avec Gab, on prend des grands 10 minutes. Oh là là. On joue avec Gab, on lance Rising Storm pendant la recherche de LoL, on fait une game. Ouais. T'as le temps d'aller faire les courses? Pendant que ta game elle se Ah lance, genre. Let's go. Seulement 6 minutes. j'ai fait une game de Rising Storm aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai J'étais pas avec joué. ma M60 là, dans un couloir. On connaît. Ratatatata. Faudra qu'on y rejoue en vrai, c'est trop bien ce jeu. Ouais.
Zero Hour, j'aimerais bien qu'on genre passe le Ouais. niveau sans qu'elle en ait bloqué depuis 8 ans. C'est trop marrant aussi. Par contre, Bruce, si t'as décidé enfin de te mettre à faire des jeux d'horreur, il faut vraiment qu'on fasse Labyrinthine. Donc, Le jeu, il a un je peu vais tout cassé, déjà. genre à tout moment, il y a tes personnages, ils t'y posent et tout, du coup, ça fait pas trop peur. Ah, ça va, ok. Ouais, il est en développement encore. Impossible personne, quoi. Exactement. T'inquiète, c'est Que. next-gen. C'est qu'un truc très. Très dur à vivre, mais j'ai appris à l'accepter. Quand j'ai joué à Cyberpunk, j'avais des vibes de Star Citizen. Oh merde. Que ce soit autant dans les bugs que dans l'atmosphère du jeu, c'est très similaire. Aïe, sauf que. Sauf que. Cyberpunk, c'est plus en développement, quoi. C'est censé être déjà sorti. Sauf qu'il y en a qui t'y posent dans l'espace, quoi. En vrai, je sais pas si je vais le faire maintenant le jeu. Parce que j'ai envie de le faire, vu que tu me l'as offert et tout. Enfin, j'ai déjà envie de le faire Ouais, de base. mais faut attendre un peu en vrai. Par contre, en ce moment, on fait Dark Deception. Tu sais, c'est genre jeu d'horreur, mais pas trop non plus. Ouais. Et c'est pas mal. Ça a l'air cool. C'est une bonne mise en jambe. Parce que le mec visage, j'ai vraiment très peur. Visage, c'est. Je te jure, bro, quand je te dis que. Ça m'a vraiment vacciné de toute l'horreur qui existe, même des films et tout, c'est réel. Hein. Après, si ça marche comme ça, tant mieux, honnêtement. Ah putain, mec, j'étais tellement mal après les streams. Vraiment, je dormais mal, j'avais trop mal au ventre, je transpirais et tout. Hein. Gros, t'es là, tu joues, t'es en t-shirt, il fait pas trop chaud. Et t'es en mode, ah, c'est bizarre, il y a un truc qui me gratte au niveau du flanc. Et en fait, tu te rends compte, c'est juste genre de la sueur qui coule le long de ton flanc, depuis ton aisselle, bro. Est-ce que c'est normal? En jouant à un jeu vidéo, genre. Ça va pas du tout, hein. Après, tous les chapitres sont pas bien. Il y en a un qui est vraiment nul. Celui des miroirs, il est vraiment éclaté au sol. Mais sinon, tous les autres sont vraiment cool. Et ça fait très peur. Genre dans Deception, il y a un niveau, il est trop chiant, c'est genre c'est dans des espèces d'égouts, il y a des canards, et dans les égouts tu perds genre 70% de move speed. Y a des canards. Oui. Ok. Et quand je passe à côté d'eux, genre ils se lèvent, genre il y a des gens qui sortent du bas de leur corps, ils te chase. What the fuck? Sauf que du coup t'es dans l'eau des égouts et t'es Et tu vas carrément à à 2 à l'heure? 70% de move speed, ouais. Et une Ouais. porte elle s'ouvre, elle met genre 10 secondes à s'ouvrir. Oh putain. Le niveau est juste bon pour rien, quoi. Attends, c'est quoi leur team là? Je comprends rien. Je vais Je crois m'amuser que de Yasuo ouf contre cette il est team. top, mais vraiment. Ça Ouais, il est top le Yas, je va pense. être horrible. Oh, il t'a Déjà, bientôt il m'a Garen. banni Garen. Tu vas C'est pas t'amuser. grave, j'ai un skin tout beau sur Illaoi, du coup ça va bien se passer, je pense. On prie. Je sais que dans Amnesia, pour ouvrir les portes, il fallait genre mettre des coups de souris. Et dans Visage, c'est pareil d'ailleurs. Genre, en gros, tu cliques sur la porte comme si tu la prenais, et tu dois genre descendre la souris vers le bas pour tirer la porte, tu vois. Ouais. Et dans Amnesia, il y a des moments où t'as des leviers, ou des manivelles, et genre, faut faire des tours avec ta souris pour tourner la manivelle. C'est quoi, t'as genre un mec qui te court après? Le stress, il est intense, hein. Mais après, Amnesia, je recommande pas. C'est plus un jeu d'énigme qu'un jeu d'horreur en vrai. Ça fait un peu peur, mais. Les trucs sont tellement tirés par les cheveux que ça fait juste péter un plomb. Ouais. Oh, je vais voir parce que déjà quand j'étais allé voir Annabelle au cinéma, ça m'a traumatisé genre pendant 2 ans et demi. Je l'ai pas vu, Annabelle, en vrai. Et bah moi non plus parce que j'avais les mains devant les yeux, mais Mais enfin on dira pas. après, Annabelle, c'est que des screamers, non? En vrai. Bah, je sais pas. Je crois qu'il y a une poupée dans le film, mais je suis même pas sûr. Écoute-moi, j'ai vu une église et j'ai fait c'est bon, je m'arrêtais là. L'église, c'est genre le premier plan du film, non? Hein. Toi, t'as eu la musique flippante, t'étais en mode allez, c'est bon. Nous rompichâmes. Ah mec, c'était la plus grosse erreur de ma vie. Ah putain, en plus au cinéma, tu peux pas. Tu sais, quand t'es chez toi, tu peux genre baisser le son, esquiver un peu le truc stressant. Oui. Au cinéma, y a pas de baisser le son, frère. Tu l'entends et tu te tais, hein. Oh l'enfer. Surtout, j'étais pas seul, donc c'était encore plus triste, tu sais. Ah putain. Je crois, Annabelle, il y avait eu des. Des gens, ils pétaient les plombs dans la salle, hein. Ça avait Je foutu le crois, bordel, ouais. il y a eu des. Des genre des mini-émeutes dans les salles et tout. Je crois que c'était Annabelle. C'était un film d'horreur, mais peut-être c'était pas Annabelle, je sais plus lequel. Uprising. Voir un film d'horreur au cinéma, c'est si bien et si pas bien en même temps. Bah si t'aimes bien ça, je pense que c'est. Y a pas de meilleur endroit pour aller en voir que le cinéma, hein. Moi, je pense que le pire que j'ai vu, c'était Sinister. Attends, je vérifie que c'est bien ça. Ouais, Sinister, ça m'a trauma. Hein. Ça fait trop peur. Genre, juste la gueule du monstre est horrible. Bienvenue dans la faille Et de les mécaniques du l'infini. film, elles sont cool. Mais il y a pas mal de screamers aussi.
J'enchaîne tellement pas ça les screamers. Bah en vrai, les films d'horreur où juste c'est que des screamers, ça casse les couilles. Genre le plus intéressant ouais. C'est plus l'ambiance et tout, c'est ça qui est kiffant. Parce que tu peux regarder une vidéo drôle et te prendre un screamer pareil, ça fait le même effet genre. Oui. Du coup c'est un peu nul. Genre la facilité. Ouais c'est ça. Le pire je crois que j'ai vu par contre en termes de nullité c'était les hautes herbes. Waouh. Éclaté au sol ce film. Déjà ils se sont dit les gars on va les mettre dans un champ de maïs. Et t'éclaté, il y a de l'horreur là-dedans là. Bizarrement ça a pas bien marché. Du cru. Ça et Don't Breath, je trouvais ça trop nul. Don't Breath, ouais, j'avais vu les bandes annonces, ça avait l'air sympa pour toi. Bah, tout ce qui est sympa, c'est dans la bande annonce, donc 2 minutes 30 de film. Pas mal. Stylé, hein. En vrai, il y a 2-3 scènes qui sont cool. Vu que le mec, il est aveugle, il y a des trucs marrants. Du coup, d'un moment, il comprend que, genre, s'il éteint la lumière, en fait, bah. Eux aussi ils sont aveugles sauf qu'ils ont pas l'habitude d'eux. Et là, là ça devient très marrant là. Captain poisson avec humour. Ouais. Mais sinon y'a trop de trucs qui sont ridicules. Genre y'a des retournements de situation qui ont vraiment aucun sens. Et je crois que le meilleur moment du film c'est genre la fin avec un chien. Donc c'est avec aucun des personnages principaux. Et pas avec le méchant du film. Du coup c'est un peu ridicule. Est-ce que t'es un peu claustrophobe, bro? Pas spécialement. Ok. Parce qu'il y a The Descent aussi, c'est bien. Dans une cave C'est des mecs qui vont faire de la... C'est des meufs, pardon, elles vont faire de la spéléo. Et ça devient vite n'importe quoi. Et c'est vraiment horrible. En plus, le film est super beau. Parce que tu sais, c'est clair qu'avec des flares et tout. Ouais. Des flares rouges. Du coup, ça donne des ambiances de ouf. Et la fin, elle m'a donné envie d'arracher mon écran de cinéma, genre. Elle est horrible. Okay. Sinon, tu peux te faire les Little Nightmares aussi. Faudrait que je le fasse en stream. Parce que ça fait un peu peur, mais ça va. Et les jeux ils sont ouf. Ouais. Ça a été giga acclamé par la critique et tout. Et par les joueurs. Elle a bien dodge ça. Katarina. J'ai Grave the Mid. La pauvre, je suis en train de tellement la race. Let's go ça! Incroyable! Les gars, moi je vais int. Moi je joue avec des diamants, alors, quoi, enfin voilà quoi. Très mal parti, le jungler m'a carré en fait juste. Merci à Zach. Merci Zach pour cela. Ah! Non, le gros sbire! Oui. Ok. Attendez, j'ai regardé La Chute du Faucon Noir. J'avais jamais vu ce film. Je connaissais l'opération, mais pas le film. Je connais pas du tout, ni l'un ni l'autre. C'était une opération de l'armée américaine en genre 93. Ouais. Et dès que. Il devait genre. Il y avait la Delta Force et puis les Rangers. Il devait genre. Arriver dans un bâtiment, choper des gars et repartir. Ok. Et tout ce qui pouvait mal se passer, c'est même pas. D'accord. Donc on voit, ils se faisaient guider par hélico. Les mecs, ils étaient incapables de donner le bon itinéraire. Ils ont fait genre 3 fois le tour. À chaque fois qu'il y avait un Black Ops qui se faisait abattre, ils devaient genre récupérer les gars et. Ils y arrivaient jamais. Quand il y avait une team qui arrivait, c'était en mode bon, on attend les vacs. On attend les vacs, hein. Le lendemain, ils attendaient toujours les vagues. Oh putain. Et c'est genre un enchaînement de bordel. Ouais. Putain.
Ça doit être marrant, ouais, ce genre de film. Du coup, ça doit être tendu jusqu'à la fin. Du coup, c'est vraiment genre passé IRL. Ouais. Du coup, triste pour les. Les gars, le jour J, quoi. Et sinon, tous les petits boucs qui sont morts. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait tellement de temps que j'ai pas regardé de film, bro. What the fuck? Pas si je suis allé voir Spider-Man, mais sinon. Spider-Man working from home. Il y a eu tellement de montages de merde. Putain, mais tu l'as tué une deuxième fois? Ou vous êtes entretué? Ouais. Non, je l'ai tué et après il m'a tué. Ok, ok. Grid. Sad. C'est dur de pas grid avec Eloy, j'ai l'impression. Dès que t'as ton verre. Ouais, donc. Dans les teamfights là, ils vont voir des tentacules de partout. Ouais, ils vont voir tout. Trop sympa le Jack, elle en est trop bien. Johan, t'as vu la pétition contre Orelsan ou pas? Pour l'odeur genre de l'essence. Tu sais, à un moment, ils parlent genre des Mongols. Oui. Il y a une pétition de genre 16 000 signatures. Mon dieu. Parce que, oh là là, les Mongols, ça se fait pas et tout. Oh, le flash out. D'ailleurs, la kata qui va top. J'ai peut-être oublié de te le dire. Ok, je recule. Ils savent plus quoi inventer, hein. J'aime bien quand il y a une des musiques qui commence par je suis pressé que tu me cancel. Et que littéralement, à la sortie de l'album, ils sont il a dit Mongol. Ah, il est là maintenant, mais what the fuck? Ouais, j'ai pas trop compris. Mais je te jure qu'elle est montée il y a 15 minutes. Oh, les dégâts que tu lui colles dans le cul. Ouais, elle fait mal aussi quand même. Ah bah, Kata. Hein. Je sais pas si je le tue. Yes! Let's go! Bon, ça va, le team en face run down aussi. Toutes les lignes qui gagnent. On se met au max là. Oh, elle est là, la Kata! Elle fait n'importe quoi! Elle est morte! Elle a flash! Elle est ravagée. Bon, du coup, elle va back. On va pas avoir cette épée tout de suite, je crois. Ok, nice. Bon, faudrait qu'on fasse. Mais le problème, c'est que toi, t'as 10h et moi, j'ai Spotify, ça casse les couilles, ça. Ouais. J'allais dire, faut qu'on fasse une playlist pour le nouvel an. The Great Betrayal. Putain, ça casse les couilles. Le même avec le mec en bleu et le mec en rouge, là. Oui. T'es en train de le détruire au top, ça met trop bien. Ah, ouais, ça, c'est la bonne direction, ça, Yasuo. Je pense que c'est mort, mais j'ai un flume de chase. Récupère mes miettes, Matt, le chat, pitié. Mais il est où? Attends, mais ça va être cringe là. Il va prendre un coup de tour. Non, il va vraiment se. Oh bah, my bad. Tu sais que je suis sorti du bush et j'ai dansé devant lui pour le taunt au lieu de lui envoyer des spells alors que j'étais à range. Et j'ai flash. Putain, ça l'aurait touché. Oh, c'est tellement cringe ce move. Le kill était gratuit. Je suis une merde. Oh putain. Sad. Ah, t'inquiète, j'ai laissé partir. Je suis aussi une merde, je pense. Enfin, là, j'étais vraiment devant lui à 1 mètre et j'ai dansé quoi. Enfin. C'est pas grave, c'est mieux de flex que de kill. C'est vrai. Bon, elle meurt, elle. J'étais dans son cerveau. Ça met bien. À défaut d'être dans le mien. Hop. Je sais pas où est Graves. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Ah, je sais où est Graves.
Tu ne peux pas me taper, j'ai des grippes en fait. Oh frérot, si tu commences à le ping, t'as fait des erreurs. La Kata, elle a le syndrome des Katarina. Genre, elles ont toutes les mêmes. Dès qu'elles posent une dague, elles vont dessus. Même quand elles puent la merde. C'est trop rigolo. Je sais pas pourquoi elles font ça tout le temps. Oh! Let's go. Le Zac est parti. Graves, il est. Je sais pas où il est. Je crois qu'il est dans le topside. Ah non, il est là. Enfin, monsieur. Laissez-moi tranquille. Nice. Il va bot, je pense. Il y a peut-être la Kata qui vient aussi. Je sais pas où elle est. Ah, non, elle est là. J'en ai trop marre, fais quelque chose, frérot. Ça deux. J'aurais dû prendre la plate. Alors non. Par contre, Yohan, j'ai trop hâte d'avoir les... de recevoir le shaker là. Avec les, ouais, les petits glaçons. Ça, je sais pas si je t'ai dit que j'avais pris. Ouais. Ouais, ok, nice. Ils vont prendre la tour. Ah. J'en peux plus pour ce jeu. Moi, je peux push une wave et décaler le bot en vrai. Mais il faudrait que j'aie mon R avant. Donc pas avant 50 secondes 2. Imagine, il peut te 1v1 alors que t'es en 3-1. Ouais, mais il met 1v1 vraiment de ouf. Hein. C'est intéressant. Il est oh, il y a Graves ici. C'est qui la TP? Bah, ok, frérot. Je vais pas te suivre. Je comprends. Après, ils vont juste rien faire. Hein. Je sais pas quoi faire de cette wave. Bon, vas-y, pêche. Hein. Ok. Elle est encore là, la Kata? C'est une blague! Elle a flash. Tu peux où il est, le Graves? Je l'ai vu vers moi. La Kata a 2 HP, mais le Yas. Il y a 2 Routou. Et des resets d'auto? Je sais même pas. Ouais, c'est mon Z. Ok, ok. Oh! Elle va aller, elle va aller sur la pink ward. Elle est morte. C'est trop marrant. Ok, laisse. Nice ça. Moi nice ça. Nice. J'arrive. Je pense que... Je peux one shot le brand. Bon, j'ai air pour rien par contre. Oh! Putain, il fait mal Kata en fait. C'est normal, elle a son power spike là.
Attends, c'est 06. Yasuo aussi bientôt, je pense. Ouais, lui, c'est la 10, non? Oui, oui. Ok, ok. Si tu le tues encore 5 fois, tu trolls. Bah, en vrai, il a peut-être AFK. Hein. Ah ouais? Ça fait longtemps maintenant. Oh putain, il y a encore un fight ici. Ah non, il est là. Nice! Ah, mais ça fight encore! Mais quelle dinguerie! Oh là là, les gars, je suis trop bête. J'ai pas de mana pour R. Je suis si triste, bro. J'ai pas énormément d'HP. Ouais, moi j'ai pas back depuis un an et demi. Sorry, bro. Oh non! Ah! Oh là! Elle a tout mis à côté! J'ai absolument aucun mana. Ok, nice. Qui est-ce que tu mets à côté? La Nami. Ah merde. Son R, t'as pas après, vu? Son R, il est assez compliqué à caler. Ouais. C'est 3 fois l'embouchure de la zone. Bah, disons qu'ils étaient dans un couloir où ils avaient aucune escape et elle l'a mis à côté, quoi. Après, c'est sûrement dur à caler et tout, bro, mais. Ils étaient là et elle l'a mis là, quoi. Je pouvais pas savoir. Imagine non. Il flash out. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'elle a essayé de pré-shot un flash. Hein. Tu es mis 10 ans à mettre le 4, je trouve. My bad. Regarde, hop. C'était oublié. Incroyable. Pour autant que tu veux. Oh, je l'ai pas vu. Avec la smoke, je l'ai pas vu arriver. My bad. Ah, dommage. Oh, oh, oh le petit Lucian. Hmm. Oh le Graves il m'a tellement enculé. Mais bon, c'était la pire TP du siècle. T'as tapé sur la tour et il l'a cassé? Non mais moi genre, parce que là on va se faire reprendre le top, mais je peux pas trop. Après j'arrive moi. Pas tout de suite mais. À quelle vitesse il push? Il prendra pas la tour. Ah. Ah oui, c'est la bonne direction ça, Yasuo. Je regarde. C'est quand même l'autre côté, la base, quoi. Son GPS, t'as dit? Ouais. Let's go, le triplé. Incroyable. Si tu connais, c'est un petit truc, t'as dit les directions. Ah, ok. C'est avec ça que je peux trouver la direction de ton cœur, c'est ça? Bourg Saint-Maurice. Ça fait un bon coup, là. Bourg Saint-Maurice. Ça se négocie, hein. J'avoue. Non, on va pas en plus, c'est Katarina, elle peut pas du tout top play, quoi. Ah, je crois que t'as pas le choix. Ouais, bon. J'aurais dû faire plutôt. Bon, là pour le coup, je lui ai vraiment brisé son power spike. C'est vrai. Oh! Let's go. Ça voulait un petit raid? Même pas. Yeah. Ok. Ah! J'étais à fond dans l'action et tout? Décevant. Bah pixel. Bah écoutez, aucune lane qui perd quoi. Juste était meilleur hein. Moi je vous laisse là. Merci pour la game, c'était cool. Ouais, pas de soucis.
Bon stream, ciao. Yes, merci, bonne soirée. Salut. Vas-y, bah ça repart en solo queue, hein. Enfin, en solo duo. Clac. Pourquoi je peux pas? Ah mais c'est toi qui... C'est toi le maître de la game, je crois. Non, c'est toi. Ok. C'est juste qu'en fait, il y avait peut-être une troisième personne avec nous dans la Jump Select. Enfin... C'est pas Jump Select encore, mais t'as compris. Let's go. Non, j'ai pas compris, je parle de... Bah en fait, je parle de... Avant de lancer la game, quoi. Tu peux définir une game? La souffrance. De manière okay, assez pure. Très bien. Ouais. Ouais. Gagner sa lane et perdre. En gros, c'est une game. On est d'accord que le skin Cassiopeia Sirène, il est moche. Attends, je vois. Est-ce que je l'ai pas? Et si tu l'avais, est-ce qu'il serait beau? Bah, c'est qu'est-ce que pas, mais... Sirène, est-il dans la pièce avec nous actuellement? Parce que j'ai les RP pour l'acheter et il est en solde dans mon shop. Ah, il est bleu, il est étrange. En plus, elle a même pas une queue de sirène. Moti raciste des navires confirmé. En fait, c'est plus une... Un triton qu'une sirène, genre... On dirait, c'est trop bizarre. Mais le triton, c'est les mecs, je crois. Voilà. Je pouvais encore acheter le skin pendant que j'étais dans la chambre select, alors que j'étais plus dans le shop. Oui, ouais, c'est un bug. Rito, il est là en mode, s'il te plaît, dépense ton argent. Non. Oh, il... le bâtard. Il a pique, la gate. Ou est-ce que tu ne sortiras pas ton meilleur Dravant? Ah mec, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais let's go. Fais-nous voler ces haches là. Oh, regarde, en plus, ton support il trappe dans les bush. Parfait. En vrai, Zilean avec Draven, ça doit être si fort. Vas-y, je vais voir Draven Fosher. De quoi? Je vais voir Draven Fosher. Ok, ok. Est-ce que ça va changer mon... Oh, Dana! Mon poule. Joyeux Noël, Dana. Ouais, joyeux Noël, ouais. Avec tous tes cadeaux et tout. Dana, elle a eu des cadeaux de type magicienne, hein. Genre, elle a une boule de cristal et tout, mec. Stylé. Tu peux lire mon avenir pour me dire qu'il est pas catastrophique, s'il te plaît, Dana? Je t'en supplie. Je crois que c'est... Ça m'a fait penser. Marion, je crois qu'elle m'a dit que... Elle avait... Tu sais, les trucs que tu poses au sol et ça fait la lumière. Genre, les boules à facettes qui sont au sol. Ah, quoi? ouais, ok, je vois. Faut qu'elle la ramène. Bon, mais attends, parle sérieusement là. Est-ce qu'on prend le générateur de fumée ou pas? Mais le père de Théo, il en a un. Oh, mamacita. Mais il faut acheter un liquide spécial. Il y a plusieurs densités mais et tout. Le père de Théo, il a dégagé. Oh, maman! Gros, il me faut toutes les boules à facettes. Il faut vraiment que Mario le ramène. Elle a dit qu'elle le ramenait ou pas? Ouais, je lui ai dit de le ramener, elle m'a dit qu'elle le ramènerait, mais on lui rappellera. Mais tu sais qu'à la base, j'avais prévu de venir avec un sac à dos, mais dans sac à dos, il y a cadeau, et en fait, j'en ai trop. Genre, je vais devoir prendre une valise, bro, pour venir deux jours. Mec, c'est un bordel. Ça va, t'aurais pu prendre tes deux chats, hein. Oh, j'avoue. Imagine, je prends mes deux chats, et je me trompe, je vais au nouvel an un mois en avance, bro. Oh, bro, tu serais déjà là, et en plus, t'aurais le Covid, ce serait pas mal. Oh, waouh.
Je sais pas comment l'utiliser encore. Je crois qu'il faut faire. Il faut se concentrer et il faut faire des mouvements de lèvres en mode. Genre, tu réfléchis. Et il faut mettre des LED à l'intérieur. Ça renforce la magie, ça. J'ai remarqué dans les films, il y a toujours des LED quand c'est magique. Non, en vrai, je sais pas du tout, Dana. Il te faut une roulotte en vrai. Si t'as pas de roulotte, tu peux pas être une vieille magicienne. Les magiciennes roumaines, là. Mais de ouf. Je pense que c'est fiable. Je demanderai à Clément si sa grand-mère elle est fiable. Si elle a une moustache. Il manque un pixel ici. Il manque un triangle là. Dans ce mur. Ouais. Des sbires sont apparus. Ouais, complètement. En vrai, ça doit être trop cool de se faire tirer les cartes et tout. Juste pour le délire. Je trouve ça trop marrant. Oh mon dieu, c'est un Yi qui 4v1 pas au niveau 1. C'est pas stylé. Oh là là. Moi je compte Diana, bro, ça va être complexe. Ouais. Un perso un peu chiant. Mais ce qui me fume, c'est que Dana, j'en ai parlé avec elle. Elle est en mode. Moi je fais ça vraiment au premier degré parce que. Elle m'a pas donné une justification. Elle est en mode, le pire, c'est que genre des fois je pré-shot des trucs pour de vrai. À tout moment, Dana elle commence à me lancer des sorts. Hein. Moi je veux que tu restes mon ami. Hein. Imagine, tu te fais run down par des mecs et genre tu leur lances des sorts sur leur pseudo. Oh. Et genre après, il faut que perdre des services. Tu fais un prix. On a besoin de ton aide sur Arakan de la game d'avant là. Il nous faut ton soutien là. Vas-y, viens, try de tout. Merde. Ah! Ah! Nice. Oh, le trade n'est pas si catastrophique. Ah! Elle a failli là-dedans. T'as frérot, qu'est-ce que tu fais? Oh! C'était le move le plus catastrophique que j'ai vu de ma vie. De la part de Diana, genre. Je sais pas comment je m'en sors, j'ai trop mal joué. Mais elle a réussi à plus mal jouer que moi, genre. Zilean, quoi. Fucking gay to play barrière. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Sorry for using a summoner spell, bro. Wouah! Les joueurs de League of Legends 2. Redésolé, je chiais. Ah ouah! Dana, j'ai pensé à toi ce soir parce que j'ai bouché mes chiottes en rentrant du McDo. Voilà. Fais ce que tu veux de cette information. Mais c'est arrivé. Après, j'ai eu de la chance, j'ai pas besoin de faire la technique du sac poubelle. Du coup, j'étais content. Frérot, mon gameplay, c'est l'Irak. Ah. J'ai des zones et si je marche dedans, ça explose. Oh merde. Ah, fais chier. Ok, je l'ai. Je l'ai pas. Comment ça, t'as pensé à moi? Je suis désolé, Dana, mais dès qu'il y a une histoire de merde, je pense à toi, genre, de manière instinctive. J'espère que tu le prends pas mal, mais tu comprends pourquoi, hein. Je suis rentré de McDo là, je me suis assis sur le trône, j'ai régné. C'est exceptionnel. Ça fait longtemps que j'ai pas bouché les chiottes. Sérieux? T'as changé, Dana? Je crois que tu vieillis, hein. J'ai super faim et je veux trop un McDo aussi, mais je veux avoir un tout nouveau modèle de dé qui va me coûter cher. Mais c'est ce que tu m'avais dit, ça, c'est que la 3D, ça, c'est ok les prix, mais dès que tu passes en 2D, c'est le bordel. Je vais me nourrir d'eau.
En vrai, j'ai essayé. Et je te conseille l'air plutôt, c'est moins cher. L'eau, c'est au final, tu payes quand même. Je sais pas où est Madiana. Je me demande si je veux pas plus ban Zilean que Trundle, hein, parce que. Tu bannes Trundle? Ouais. Putain, what the fuck? C'est trop OP dans la méta. Ok. Mon avatar 3D, je l'ai pas payé. Ah ouais, ça utilise des artistes sans les payer. Je sais que tu fais pas ça, Dana. Je suis vraiment une merde, parce que t'es vraiment la personne que je connais qui fait le plus de commissions à le plus d'artistes différents. Ah, le plus d'artistes. Ok, on se parle. C'est Gabi qui te l'a fait, c'est vrai. Je pensais que tu l'avais payé, ce beau vieux Gabi. Je savais pas que ça s'était fait comme ça. Bah ouais, parce que du coup, faut... L'animation 2D, c'est plus compliqué que l'animation 3D, en vrai. T'as moins d'aide et tout, j'imagine. Je vois pas trop comment tu peux rig un truc en 2D. J'imagine que ça se fait quand même, mais... On l'a fait ensemble, en gros. Ok, je vois. De toute façon, y a pas de malaise ou quoi, genre, Gabi, tu achètes plein de trucs et tout. Je dis ça juste pour te faire chier. Chier, t'as compris. Le caca d'Anna. J'arrive sur le métro ici. Viens ici. Ah, je lui ai fait plein de dégâts là. C'était cool le. Putain, mais Maître Yi! Mais n'y retourne pas! Sad. Je pense que si elle me turn, elle peut me tuer. Faut que je fasse gaffe. On va faire attention. Ouais, il a counter. En vrai, mon R sur le Warwick était vraiment. Il était. Vraiment illégal. Rakan! Rakan! J'en ai trop marre, gros. Ça casse vraiment les couilles ce jeu. Casse les couilles. Moi, elle part avec très peu d'HP. Est-ce qu'elle serait pas en train de back dans ce bush? Ça aurait pu. Après, j'ai pas bien mis au centre du bush. Et j'aurais pas tué dans tous les cas. Excuse-moi, Dana, du coup, j'étais concentré sur le fight. Pour bien air le Warwick là. Histoire de bien jouer, tu vois. La 3D, y a pas de rig, c'est tout seul. Ok. En fait, tu fais juste le modèle et c'est le logiciel. Tu lui dis genre. Où c'est la bouche et tout? Ou même pas? Juste il détecte et ça se fait tout seul. Alors que la 2D, si. Faut rig chaque partie du corps. Ah, ok, j'ai ma réponse du coup. La 3D, ça détecte direct par la cam, je vois. Ok. La meuf va me faire bouger les oreilles. What the fuck? Comme un flopa. J'ai pas la ref. C'est quoi un flopa? Je vais check après. Oh! J'ai fait le pire flash de ma vie. J'aurais dû faire le tour par l'autre côté. Sorry bro. Ça suffit là. Nice. Ton blé, il m'intéresse en vrai, Diana, je vais pas te mentir. Ok, maniqué, je suis mort. My bad. My bad, my bad. Allez, feed maintenant, du coup, c'est la sauce. C'est un animal qui fait bouger ses oreilles trop mignon. Je regarde ça. Clopin. Oh, c'est trop mignon! C'est un félin, genre. Il est trop chou! Oh. Mais t'étais pas dans les champignons, toi, à la base? Here's moving. C'est trop beau. Je regarderai quand je serai remort, ok?
Je joue trop mal par contre, c'est trop chiant. Mon flash sur le move du 10, c'était tellement nul. Mes oreilles vont bouger pareil. Ok, ok. Mais c'est ce que tu m'avais envoyé, le croquis que tu m'avais envoyé aujourd'hui là. Ok, ok, nice. Bah, c'était grave stylé. Je sais pas où est Diana. Drac. C'est vraiment trop chiant. Vivement la couleur. Tu m'étonnes. Mais du coup, le processus, il est super long. Hein. S'il faut tout rig et tout. Ça doit être le bordel. Hein. Si elle push la kite, elle est morte, bro. Il faille trop loin, je peux pas l'aider. Genre... C'est juste sad. Oh! Je vais mourir quand même. Sad. Bon, on tue le Warwick et on perd le Drake. Je sais pas pourquoi Maitri il est parti fight genre ici tout seul, j'ai pas compris. Voilà. Oh! Oh non, le Zilean. Ok, nice. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, genre. J'attendais qu'il push, c'était free. Elle avait juste à push la Kate. Et je sais pas pourquoi elle a voulu faire ce move de merde. Nice. Cette semaine, elle fait la couleur et le rig prend environ 3 semaines, what the fuck. Mais ça te coûte combien à la fin? Parce que si c'est 3 semaines de taf, j'imagine pas le prix que ça coûte le truc. Tu veux savoir? Ouais, vas-y hein. Sauf si t'as pas envie de le dire, moi je comprends, y'a pas de soucis. Je le dirai pas si tu veux pas que ça se sache. Trigger warning, Christian direct. Wouah. Yoann, t'as une idée du prix que ça coûte d'avoir un avatar en 2D animé qui suit les mouvements que tu fais IRL? J'ai vu ce qu'elle a écrit. Ça me fait péter un plomb, gros. Mais... attendez pas à ça. Oh putain de merde. C'est pour ça. C'est pour ça que t'as autant prévenu avant de le dire, je m'attendais... J'étais en mode de... Ouais, peut-être 500 balles, tu vois. Mais putain de merde. Oh la dinguerie. Mais là, faut que t'emmènes ton téléphone avec toi en permanence en mode selfie et que tu te regardes et que tu parles avec ton téléphone, hein. Pour rentabiliser, genre. Un Smixby est le pire, mec, c'est que c'est pas giga cher par rapport à d'autres trucs. Il y en a, c'est 4000. C'est un truc de ouf. Je sais pas où va Diana, je l'ai vu derrière vous. La différence de farm entre Kate et moi, c'est... Oh putain, ouais, c'est horrible. Elle a que des assists en fait, et ça fait juste full gank. Ouais. Ah, fait chier. Je pensais qu'il mourrait le creep. J'ai mes bottes à la base. Après, je pense que ça sera rentable dans le sens où ça m'amuse trop et j'aimerais vraiment bien gagner un peu ma vie grâce au stream. Bah oui, je comprends. Genre en soi, c'est ton outil de pseudo-travail, t'as capté? Ah, il va en falloir des mois avant de rembourser ça. Mais c'est fine. Si tu peux te le permettre et que ça te fait plaisir, enjoy. Hein. Moi, je sais qu'il va falloir que je fasse tous les designs de la chaîne aussi. Parce que ceux que j'ai, ils sont cool, mais... Ils veulent pas dire grand-chose. Là, il y a Warwick. Ah, oh, fait chier. Incroyable, hein. Diana va décaler aussi. Je sais pas quoi faire. J'ai du sur moi. Elle va arriver bot hein. Ah non elle est là. Non, moi je suis mort. J'en ai trop marre. J'ai flash out trop tard je crois. Mais en même temps si je flash out avant elle a... Dans tous les cas elle a le dash pour me rattraper.
J'étais mort dans tous les cas, c'était trop tard. Pourquoi? J'aurais pas dû acheter ça, mais... Pourquoi j'ai racheté une baguette alors que j'avais déjà fini mon Lidl? Je pète un peu. Je vais me faire un nouveau compte Discord. Ah ouais? Je me demande pourquoi, Dana? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Juste histoire de tout délaiter et de faire comme si ça avait jamais existé, j'imagine. Ouais, c'est pour ça. Oh putain de merde. On sait jamais, t'as vu. Je comprends. Surtout que si t'as lié Twitch et Discord, si t'es sur le Discord de gens que t'aimes pas, ils voient que t'es en stream. Et peut-être t'as pas envie qu'ils voient que t'es en stream. Je sais pas, y'a plein de raisons. Et surtout que si t'en fais un nouveau, t'es pas obligé de livrer les anciens. Et du coup, personne va te casser les couilles en mode pourquoi tu es parti de mon serveur Discord? T'es en full Metal Gear. Putain, y'a un move qui s'est bien passé au bot. Il fait quoi, Maître Yi, là? Mais ça... Maître Yi, c'est vraiment un perso incroyable. Il a tanké genre 5 coups de tour juste pour aller la chercher. En courant tout droit. Et ça a marché. J'ai pas de vision pour le Drake. C'est plus discret. Bah ouais, de ouf. Au moins, personne te casse les couilles. Hein. Oh sa mère, elle arrive d'où? Allez, elle était botte de tout court, genre. Double dash. Ouais, bah oui. Là, c'est chiant. Elle est giga fit 2. Ah, elle est en train de solo le Drake pendant que son jungler est à l'érate là? J'ai pas eu et je vais mourir. Oh, le trap de Caitlyn qui casse les couilles. J'ai pas le temps de prendre le passif. Je crois que mon Z a pas touché le Drake. Ouais, Maître Yi, ouais! Elle meurt. Oh, les 1000 gold. Attends, mais Rakan, ça a autant de range que ça? Gros, il est... Ah. Au revoir. Il était là, le Rakan. Il est allé sur le Urgot. Instant, genre. C'est un truc de Barjo? Je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, ce champ. Oh, les dégâts que tu colles. Ah. Zillian Gaming. Mais en vrai, tu fais bien, Dana. Honnêtement. Après, moi, ça va, j'ai personne de chiant, mais je connais les gens chiants que tu côtoies. Et je comprends ta décision très très bien. Moi, c'est pour les moves de Dredunger, je sais pas trop quoi faire. J'aimerais faire le tri parce que des fois, dans mes DM, j'ai des viewers qui me saoulent. Ah ouais, je comprends. Bah c'est l'inconvénient de mettre son Discord. Parce que c'est quand même cool, je sais pas si t'as un Discord perso. En fait je sais pas comment tu links quoi si tu links un Discord. Genre t'as fait un Discord perso pour tes streams ou juste... Enfin un Discord perso t'as capté? Non du tout. Ah tu mets juste ton lien Discord à toi. Ok. Je croyais que t'avais un truc genre pour faire tes annonces quand tu stream et tout. Pour que les gens aient les notifs. Les os sont étonnamment rigides. J'aime pas trop. Ok, je comprends. Chacun son délire. J'ai trop de serveurs. Ok, ok. Après, sinon t'as juste à mettre que t'acceptes pas les DM de gens qui t'ont pas ajouté un ami. Au moins ça te permet de faire le tri en amont. Elle a flash mon équerre. Je suis anéanti, genre. Elle était morte. Je suis trop triste. Ok.
Oh ouais, le R. Le problème, c'est que ces joueurs 10, ça sert à rien, je crois. Oh non, j'ai pris le trap. Les potes. On va faire ça. Hein. Il y a plus de R sur le Zillion. Merde, j'ai oublié de ping. Il se passe quoi au mid? Ce combat, mec. Ce combat de trongole. Ça va, bro? Est-ce que malgré toutes tes galères, tu restes un homme debout? Bon, c'est cassé les couilles. Ah, tu m'étonnes. Après, tu joues Draven, tu vas quand même toucher à tout le monde, mais. Mais ça casse bien les couilles, ouais. J'arrive mid, mais je suis loin. Je suis même pas sûr qu'on ait les dégâts pour le one shot en vrai. Nice, bien joué, bro. On lui a montré à lui. Bon, par contre, j'ai plus de R. Par contre, on le tue sur. Ah, oh, mais il sera quand même là. J'allais dire sur le timing du Drake, mais. Oh oh. Je fais quoi avec ma cam? J'aimerais bien te laisser les kills, ça me casse les couilles. Non, prends-les. Ok, elle est midlife, elle. Mais du coup, si on se met là, ils ont pas la vision sur nous. C'est retard en vrai. Je l'ai volé. Let's go. Genre, si on attend ici, ils peuvent pas nous voir en arrivant par là. Et du coup, la ward ici, elle sert à rien. Ah si, ça a changé. Ça donne quand même la vision dans le Shemtech, genre. Je croyais que ça marchait pas. Oh, sa mère. Non, elle, je l'ai pas vue. Ah ouais. Le spell qui s'arrête là et qui me tue. En vrai, il y a une zone au bout. Mais du coup, j'avais la vision sur Urgot, mais pas sur elle. C'est trop bizarre comment ça marche. Faut que j'enlève tous les serves où je suis honneur. J'espère que ça compte pas les confs privés. Ah. Je sais pas en vrai. Je sais pas comment ça marche. Mais t'as autant de serveurs que ça? Par contre, je comprends vraiment rien comment ça marche la fumée. Hein. Genre, pourquoi je vois Urgot avec la ward, mais je vois pas la Diana, genre. C'est trop bizarre. J'en ai plein. J'en ai pas tant que ça, moi. Après, tu peux les trier par dossier et tout, déjà. Ça, c'est bien pratique, mais... Moi je sais que j'ai genre le mien, celui de Justin, celui du Nocticrew. Après j'ai plein de Discord de streamers mais ils sont tous dans le même dossier, je passe de temps en temps. Et sinon c'est à peu près tout. Hein. J'ai quasiment rien d'autre. Je vais voir parce que c'est relou un peu. Ouais, bah, au moins quand ça me casse les couilles, je fais genre clic droit sur le dossier, marqué comme lu. Et je suis content dans mes notifications. Mais en vrai, se refaire un compte, c'est pas con, hein. Genre, tu reprends tous les avantages sans avoir les inconvénients chiants de... quand tu livres des trucs. Elle, bro. Je veux qu'elle marche ici. Mais elle va pas le faire. J'ai envie de pleurer. Elle est pas venue. Et elle va venir maintenant. Non, ça va. Allez, allez, Kate. Y'a mes trucs, je suis mort.
Mais t'as auto? Gros, ta auto, elle a flash et elle est pas morte? Comment c'est possible? Ouais. Ton auto, elle est partie? On l'a tous vu? Bah. C'est quoi cette merde? C'est ultra bizarre. Je vais faire un zonia. Oh le ramu. Oh le ramu. Ah oh, sad. J'arrive bot. Mais il va juste courir, non? Je sais pas de qui tu parles, mais oui. Du Warwick. Il a encore son air, non? Il revient au mid. Ouais. Faire un mini-hip sur ça? Ouais. On était aveuglé par le goût du sang. Oh. Je suis bloqué? Je ne pouvais pas bouger. J'étais bloqué entre le creep et la tour qui est tombée. Merde, t'as joué ça. T'as dansé? Je vais commencer mon petit zonia là parce que... Je commence à me casser les couilles. La Diana elle est insupportable. Je pense qu'elle va me tuer même si je zonia. Elle fait quoi dans son bush là? Il aurait dû se prendre le trap pour la bait. C'est un malade, hein. Y'a Diana qui arrive sur nous, gros. Ouais. Ok. Diana, ça peut le sale. Du coup, ils ont le Drake. Ouais. Du coup, c'est worse. Pour eux. Je suis venu vers lui, mais je suis mort. Ah! Je ne pourrais pas te venger, bro. Oh non, I trap in bush a lancé un vote FF. Il ouvre, oui. Slade, bonsoir, noyer Joël et bonne nuit. Je n'en peux plus, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ces blagues. Ça suffit. Ah, petit équerre là. Ça met bien. Je pense qu'il avait même pas eu le temps d'appuyer sur R, il pensait pas mourir tout de suite. Ou alors il l'avait pas. Il l'avait mis dans le fight d'avant. J'espère que t'as eu le temps de voir ça, ton pouce. Mais c'était crevé en tout cas, bonne nuit. Et joyeux Noël. Oui, j'ai tout vu. Nice. Lui, il est mort. Let's go. J'aimerais bien avoir mon zonier avant le prochain fight. Histoire de pouvoir survivre. Magnifique. Merci, bro. Après, il bougeait pas, quoi. Donc, c'était pas très compliqué, mais. Go plat fast. What the fuck. Bon, aujourd'hui il y a eu que des loses, hein. Je crois qu'en duo Q on a fait que des loses, non? Ouais. Ah, celle d'avant on a gagné sur FF. Ouais, mais c'était une flex. Ah ouais. Quand on a joué avec Man. Oh, il y a du monde. Bon, Zidane, je pourrais pas l'avoir deux fois de la même manière s'il a son R, mais je sais pas s'il l'avait là. Oh sa mère. Ouais. Il a raté son R là, non? Ouais.
Oh! Elle s'est fait faire par Zillion. Mais je crois qu'elle est pas morte. Va survivre. Trop chiant. Je vais me faire faire par Goth, hein. Il va me suivre jusqu'à où là? Laissez-moi tranquille! Jusqu'à la fin de la game en fait. Tout simplement. C'était trop sad le move. J'ai eu le flash de Kayt par contre. Votre inhibiteur ne va pas tarder à réapparaître. Ça, y'a pas trop de trap ici. Je suis une merde. J'ai raté ça. C'est n'importe quoi, genre on peut pas savoir où ils sont, j'en ai trop marre. Gros, ce truc de Chemtech, ça me fait péter un plomb. C'est horrible. Oh sa mère. Oh sa mère, on gagne. Oh, joli flash bro. Merci bro. Plutôt content de celui-là. Nice. Maître Yi, il tue. Voilà, let's go. Bon ça va, c'était clean. Enfin un bon move. Il reste personne. Ah ouais, mon Q était stylé en vrai. Laisse le petit Nash là. On va pouvoir peut-être la T1 mid. Ah. Nice bro. Je peux peut-être bait avec mes HP, mais ça me paraît dangereux. En vrai, je vais back. Il fait quoi le heal? Il invade? Ok. Comment? Ils ont changé un truc à Warwick? Comment ça? C'est la deuxième fois que je le E et qu'il est pas décalé. Mais son R il est inarrêtable sur la route, non? Ouais, mais l'autre fois il était genre en train de marcher. Ah, ok. Cette plante me vient de Mukari. Je l'aime celle-là. Là. Ramu, t'es un mec énervé. Non, les bombes! Ils font n'importe quoi en face par contre. Let's go! On finit la game là-dessus, tu penses? Je sais pas. Ils respawnent pas tous en même temps? Ouais, oui, qui va essayer de défendre et il va mourir. On y croit. Ah ouais! Maître Yi, il out-régène les dégâts de la tour. C'est stylé en vrai! Pourquoi le Warwick il attend ses teammates au lieu de venir quand il respawn avant eux? Moi dans mon équipe ils font jamais ça. Qu'est-ce qu'elle a pris celle-là? GG Ramussi. Ah ouais, elle est pas trop frustrée la Caitlyn. Bon, on a fait une win. En solo duo. Finalement.
Tu rejoues, tu vas te coucher. Alors, je vais passer une autre journée parce que là, ça suffit. Au moins, on finit la game sur. Enfin, on finit la session sur une note positive. Ouais. C'est fine. Je pense que j'allais me coucher aussi, je pense. Demain, il faut que je me lève pas trop tard. Bah, demain, si tu veux reduo, bro, hésite pas. Ouais. Allez. Et bah, demain, peut-être alors. À demain, bonne nuit, bro. À plus, bonne nuit.